Final Fantasy 13-2, the story so far. Surrender now to your heart's desire. Come with me. We'll be able to be together again, right? Je finis un peu le tecoué. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps que j'ai pas démarré au-delà de 10h un dimanche matin. On voit que j'ai fait mon paresseux. J'ai traîné la jambe. C'est vrai que je vous avoue que j'ai eu du mal à me réveiller ce matin. C'est rare. Mais ça va. Oh là là, tant de choses à faire. Oh, il y a l'histoire académique qui m'en fout là. Fortuna où j'ai pas tous les fragments. Oh, ça, il y a le saut étrange. Météore qui me manque, je crois, dans les miniatures. Ah, mon dieu, ce jeu qui rend fou. Ouais, il faudrait que j'aille là en fait. On va voir, on va tourner en rond dans les Noyacha pour démarrer. Oh là là. Oui, c'est vrai que ce matin j'ai plutôt tendance à dormir debout. Bizarre. Ça ne me ressemble pas. C'est pour peut-être l'animosité qui me file mes raisins dehors. Volet ouvert là, c'est ouais. Très nuageux sur Nancy. Du coup, ça fait un ciel voilé avec une luminosité trop teintée, j'ai envie de vous dire. Trop timoré aussi. Il n'y en a pas assez. En tenue de plage ici, ça me bouffe. Je crois qu'on peut dire que je vais la habiller. Le costume initial, c'est très bien. Alors, je sais pas si vous percevez le son, parce que j'ai la console qui est assez proche du micro. La console qui est en mode disque jockey au niveau du Blu-ray, on l'entend tac 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 tac. Mode platine à scratcher. Oh, c'est toujours la même chose. Mais non, je pense que mon histoire d'étoile filante. Mon histoire d'histoire filante, le troisième et dernier fragment qui me manque doit être dans les zones sauvages où il y a des bastons. Là. Elle, je sais plus ce qu'elle me dit. Alors, sa remarque est pertinente, sauf qu'elle ne... ça ne m'aidera en rien, je le sais déjà. J'aime bien ce saut au ralenti. That's an interesting weapon you have there. The ancient Cirrus was protected by a warrior left by the god.
D'ailleurs, je me pose la question, où est Noël ? Ah, baston. Ah bah, baston contre un chocobo. Aïe 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 aïe, ça commence. Ça, je préfère en être sûr parce que comme c'est censé être ce secteur là, il me manque plus que la fichue. Et bah tiens, j'aurais que s'il y avait un portail, il y a un mec. Donc déjà, j'ai faux. Who am I? Where am I? Why can't I remember anything? If only I could remember my name. Comment s'appelait le supérieur de la femme qui a disparu dans la région il y a des années? Oh non, Caius, certainement pas. Je me demande si c'est pas Thorn. Yes, that's it. My name is Thorn. I remember everything. I was investigating the ruins with my colleagues. Coucou, cousin. I felt someone push me into the paradox, and somehow it absorbed me. I see. She told you my name, did she? I'm relieved to hear that they're still working as hard as ever, even after I'm gone. It's good to know I taught them well. I think I understand the situation. So you're trying to find the password for the control unit in order to resolve the paradox in the ruins. Ouais, j'avance. Well, I'm as good as dead, so the key to solving the paradox is no help to me. Here, take it. I've written down the password. Maybe you can save everyone. We finally got our hands on the second password, Kubo. Now all that's left for us to do is return to the Brescia ruins and resolve the paradox, Kubo. I'm going to be rolling, no, swimming in guilt, Kubo. But it looks like Noel and Sarah have something on their minds, Kubo. I wonder what's happening, Kubo. Mm-hmm. Do I need to get my hearing checked? Or did he really say that he was pushed into the paradox? Does that mean someone tried to kill him? Mm-hmm. Mm-hmm. Suspense. Ouais, moi aussi je l'ai interprété comme une tentative d'assassinat. Ou de tentative éhontée d'expérience sur un cobaye improvisé. Ah ouais, si on l'a poussé dans la brèche spatio-temporelle. Et c'est la mise qui colle au basque de Hope qui me dérange. Elle a quelque chose à cacher. On le voit dans la narration de la suggestion des épisodes précédents. Elle était pas tranquille. Il y avait quelque chose qui l'emmerdait dans le fait qu'on détricotait l'espace-temps. I wonder what kind of person is brave enough to become a guardian. Mm-hmm.
là je vais pouvoir me barrer. Eh ben. Voilà, là j'ai tous les fragments. Ah, ça fait plaisir. Ça y est, la base, j'ai tout fait. Ouf, on avance. Là où il y a la machine, il faut rétablir le boxon. C'est en haut, dans la fresque du temps. C'est dans les ruines de Brescia, là. Je la chapelle, je suis perdu dans la dira dada. Et un peu de ça. Voyage, voyage, le loin qui est la nuit et le jour. Voyage. D'ailleurs, je n'ai pas regardé au niveau de la thune. 10 000, d'accord. Parce que je tiens à acheter les dés de Salazar au casino, vous savez, là, pour complètement faire péter les stats. J'étais donc ici. Oui, Zevo a dit, arrobas everyone le tiret basage tiret bas de tiret bas Nancy vient d'ouvrir son antenne. Retrouvez le sage, dès maintenant, sur sa chaîne Twitch, twitch.tv. This paradox. It seems it was created by people. In 20 AF, someone tampered with the control unit, which looks to be the cause of this entire situation. Tiens, tiens. The culprit was responsible for the monster population increase. And for taking out those who knew the passwords. I believe that a group that opposed the Academy's ideals used the paradox for their own gain. They tried to destroy the institution once and for all. To this day, we're still in the dark as to who was behind this operation and why. You two were a great help in solving this tough situation. As a government representative, I'd like to offer you some compensation for your trouble. Il y a encore quelque chose à me dire. What the? What is that thing?
please, go and find out what it is. If it turns out to be a dangerous monster, make sure to destroy it on the spot. Oh mon dieu. Battre la créature de la mine du temps. Fragment de calabre. I thought the paradox had been dealt with. So what's this big ugly guy doing here? He was hiding in the void beyond, Kubo. When the portal was closed, he was trapped in this world, and now there's no way back home, Kubo. Get back at home. If we don't defeat this monster, then who knows what'll happen to Cocoon? Come on, Noel. Mog, you too! Eh ben voilà, un sacré défi à relever. Tiens d'ailleurs, en parlant de défis à relever, mais je crois que l'avoir fait la dernière fois que j'avais joué, c'était optimiser les stats de tout le monde. Ah oui, 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 ils ont les stats à fond. Oui, c'est bien, j'avais fait ça dernièrement, non mais c'est très bien. Alors là, je suis content, vous voyez, de redémarrer un épisode de Final Fantasy sans être dans l'errance. À me dire, ah, mais c'est où? Qu'est-ce que je dois faire, machin? Là, d'avoir le fil conducteur, de savoir ce qui se passe, ça... Ah, ça fait du bien! Ça fait du bien. Mais ils sont chiants! Oh là 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 là! Ils gigotent dans tous les sens, je peux même pas me leur mettre leur grappin dessus. D'ailleurs, il y en a qu'un seul. Oh bah bravo! Lui. Enfin, je. Serra n'a que. N'a que. Bah, je ne peux parler français ce matin. Elle n'a eu que lancer le sort défaillance, et les autres l'ont explosé, enfin bref, ça devient d'un ridicule, c'est plaisant à voir. On voit que je suis surpuissant et que désormais je me promène. Allez, les mushkins de mes deux. Oh! Alors que Noël était en lévitation! Nouvelle la musique. C'est nouveau ça. Oh, je suis en train de penser. Vas-y voir que je m'amuse à refaire ta pute, cousin. Je n'y résiste pas. C'est trop rigolo. Ah oh, puis c'est bien. Tu as bien rempli en fait. Ça fait tout juste mon encadré en bas. Ouais, pour rappel, pour ceux qui veulent te voir, en fait, tu te lances depuis peu. Et puis tu fais des sessions de moins d'une heure, pour un quart d'heure, une heure. En général, alors plus rarement, tu fais 13-14, mais ça peut t'arriver. Tu fais surtout, quand tu le peux, tu fais du 17-18, si j'ai pas de bêtises. Mais ça reste très occasionnel, on va pas se mentir. De mes deux, il doit être au-dessus, non? Il est où? Où est-ce qu'il est? Non, il est plus vers là-bas? Attends, c'est un gros monstre, j'aimerais le voir. Non, là-bas, c'est le portail à l'état normal avec le vent qui souffle dans les végétaux. Thank you.
Ah merde, Oum! Mushking de mes deux. Les Mushking sur roulette. Les fragments de glace au sol. Oh, ça fait stylé, j'aime bien. J'apprécie de pouvoir refaire la déco. C'est joli. Attends, il est où lui? Essayer de jouer à cache-cache. Comment ça, table rose? J'ai mal vu, j'ai cru lire l'intitulé table rose dans le dans les attaques. Ça veut rien dire. À moins qu'il balance du mobilier IKEA dans la tronche de l'ennemi, mais j'ai pas vu ça moi. Non mais j'ai du mal lire. Faudrait que je revoie mon ralenti. Table rose. Oh, c'est les bestioles dragons de Paradox. Et puis elle est belle celle-là. Oh là là, regardez-moi ce spécimen. Stylé. Faut dire ce qu'il est, c'est stylé. Il n'est pas qu'organique, on dirait qu'il est électrique aussi. Oserais-je dire électronique? Ouais, ouais, ouais. Attends, compétence, est-ce que je peux l'analyser? Attendez, je veux l'analyser le moustique, ce qui m'intrigue. Qu'est-ce que c'est? Oh, il est à peine puissant. Je m'attendais à un truc, un boss à 1 million de points. Là, je suis déçu. Ouais. Ouais, un domptable, je l'aurais pas dans mes Pokémon. La créature a déclaré son indépendance. Oh, Noël est KO. Oh, la vilaine bête. Ah bah tiens. Attends, là j'ai pas compris, là je suis censé avoir la compétence pour ressusciter Noël et je l'ai pas eu en choix. J'ai vraiment pas compris. J'ai pas eu les menus auxquels j'ai envie de dire j'étais en droit d'attendre. C'est pas grave, on va recommencer le combat. Bah c'est bien, moi je vais économiser l'analyseur parce que honnêtement pardon mais il vaut pas le coup d'être analysé. Bon là par contre je vais me faire une joie de lui rentrer dans le lard. Je vais pas me gêner. Bizarre, bizarre. La bestia. joli son attaque compliquée. Ah, j'arrive quand même à lui mettre un malus au cochon. Là, tu peux rejoindre une fois là.
Ah ouais. Oh, la pauvre Sarah, elle a morflé. Pauvre chat. Ah non, j'ai pas le temps. Oh bah alors, il va trop vite le salopard. Ah oui, il fait bobo. Ah, il est chiant, effectivement, il a... Ah non, tête shot, ça y est. Ah, il m'a eu. Ah bien. C'était très serré. Alors en fait, c'est un vrai petit boss qui dit pas son nom. Son point fort n'est pas les points de vie, pour une fois. On est tellement habitué à des boss sac à PV, comme on dit. Des chars d'assaut sur pattes. Lui, il est plutôt fragile, mais il a une qualité, enfin même deux. La première, c'est d'être rapide. La deuxième, c'est d'être bourré d'énergie. Il a une fréquence très élevée d'attaque. Autant dire que c'est une furie volante, le machin. Ah, c'est intéressant. C'est bien, je trouve qu'il cache bien son jeu. C'est pas pour me déplaire. On est d'accord que je peux pas m'amuser à consommer un bonus avant de l'attaquer. Si. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Donc, je rentre dans le lard, puis basta zerne. Pas que je le rentre dans le lard. Bonjour Nayane, j'espère que tu vas bien. Merde, je suis en train de me planter de ouch. Ah oui, il fait mal. Oui, ça va bien, merci. Bah, j'ai du mal à me réveiller ce matin, mais bon. Voilà, je suis là. Jésus-là.
Non, faut le bourriner en fait, l'ennemi là. Il est exigeant à sa manière. Bon bah c'est bien, suite de l'histoire. Machine could bring forth such a terrible monster. And the paradox too. That was caused by humans as well, wasn't it? Monsters don't kill people. People kill people. Does that sound about right? Truer words were never spoken, Kubo. People are much more scary than monsters, Kubo. We risked our lives to solve the case, Kubo. And how does the government pay us? Not with Gil, but bits and bobs and household goods, Kubo. No one needs 10 years worth of toilet paper, Kubo. No one. I had no choice but to decline their offer. The government is evil, Kubo. Humans are evil, Kubo. Intéressant le fragment de Kala. Coupon de papier toilette. Quoi? Mais il est sérieux? Ah bonjour Tunsen. Coucou. Kikou kikou. Ah là 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 là. Alors attends, du coup, est-ce que j'ai des instructions? Oui, non. Non, bah je vais retourner au pupitre, je vais faire mon rapport au mec du gouvernement, comme quoi j'ai pas tâté le boss. Donc du coup ce serait un artefact, qu'est-ce que ce serait de l'artefact qui me permettrait de... Non. J'aimerais tellement ouvrir le portail, vous savez, qui est dans les steppes là. Celui qui est verrouillé de manière étrange. Bonjour, qu'est-ce que c'est là? Oula. Oui, merci, bon dimanche à toi aussi. Ah bonjour, je de lumière. Ah oh là oui, eh, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes passé de mots? Vous arrivez tous en même temps. Alors tu vois, en jeu de lumière, tu t'es glissé entre les salutations de Tunsen et Christella et j'ai failli ne pas te voir. Surtout que t'as eu la modestie de faire qu'une seule intervention. J'espère que tu vas bien, jeu de lumière. Merci à toi d'être là. Eh bé. Ouais, ça va tranquille, c'est cool. J'ai envie de dire, il faut, en cette période, cette époque LGBT, pouvoir être posé, ça devient un luxe, hein, c'est terrible quand même. Ah, tant mieux, on reconstruit. Je suis venu avec les croissants de Tunsen, c'est normal que tout le monde arrive. Alors, c'est marrant que tu parles de croissants. Moi j'ai mes pains au chocolat industriels là qui me tendent les bras. Mais écoute, j'ai ça sous le pif en fait depuis ce matin. Et j'ai pas envie d'y toucher. S'il y a des matins comme ça, t'as pas envie de manger. En plus j'ai bien mangé hier. Donc je chirote juste mon café au lait, ça me va très bien comme petit déj. Christelle a dit trop tard, j'ai mangé ma chocolatine du ménage. Ah. C'est bien. Attends, c'est moi où j'ai vu une feuille de palmier? Ah, il y a de la végétation qui pente du plafond. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. Moi, je suis prêt à l'accepter, mais sur le coup, je me dis, merde, mais il y a un palmier dans la grotte. Que j'avais pas vu. Oui, c'est ce que je fais, j'envoie les monstres en enfer. Oula, le rapport à faire au gars du gouvernement va être intéressant. The increase of the monster population was due to something man-made. That's iron for you. Although the paradox has been resolved, we're staying on high alert. We still need to rid the area of monsters for the people's safety. Y'a rien d'autre à me dire? So we have to clean it up. It's only fair. But don't worry. We'll get things back to how they used to be. Sometimes our methods aren't very conventional, but we mean well and are passionate about our work. Et du coup, le pupitre, on n'y touche plus, quoi. On a résolu l'enquête? Enfin, non, je dis ça, non. On est en cours d'enquête parce qu'on sait pas qui est derrière. Bon, je soupçonne fortement la miss. Je sais plus, c'est Alyssa son prénom, là. Qui est à côté de Hope.
Ce serait l'instigatrice du coup fourré que ça m'étonnerait pas du tout. C'en est une sacrée, la Miss. Elle a beaucoup de choses à cacher, à mon avis. On est d'accord, la carte me dit que j'ai plus d'objectif ici. Ouais, il faudra que je me barre. Attendez. Dans mon interface de jeu, je dois avoir la réponse à ma question. À quoi sert l'artefact que j'ai récupéré? Objet spéciaux, non? Ou objet tout court? Non. Objet clé, alors. Il y a un chercheur qui a disparu. J'ai bizarre, il manque un truc dans la narration là. Ouais, bizarre. Bon, j'ai envie d'essayer plusieurs choses en fait. Alors si je balance des infos à Hope, déjà ça va péter, parce que qu'il apprenne que il y a un groupe qui a essayé de nuire à son entreprise, ça va le faire bondir. Et puis il y a ce foutu portail techniquement parlant dans les steppes. J'aimerais bien essayer de m'y rendre. Puis n'oubliez pas que par masochisme aussi dans les steps, je peux me coltiner de mastodonte que j'arrive pas à patater. C'est aussi original comme projet. Bon allez, on va se barrer vers le portail qui est là-bas. À mon avis, il me reste encore deux batailles. Voilà, hop, bataille numéro 1. Enfin, si j'arrive à voir mon ennemi. Les mushkina roulette. Allez-y. Oula, ils se prennent des mandales, les pauvres. Violence! Ah si, il y en a encore un. Il a fallu que le chocobo se retourne pour le becter. Violence! Voyez, là, j'ai plus d'entrain, je suis plus motivé quand j'ai le fil conducteur et que je lâche pas et que je suis pas en errance. Là, je suis beaucoup plus motivé. Après tout, GG Pigeon. Et n'oubliez pas, en parlant de saga folle là, de Final Fantasy, il y a une autre saga folle que vous retrouverez ce soir chez moi. C'est, on va dire, vers 17h. Je l'ai écrit dans le titre, c'est Stardew Valley. J'aurais plaisir de faire avec au moins Torota. Vous êtes plusieurs à pouvoir me rejoindre aussi, donc n'hésitez pas, je pense à Nalionet également. Alors attendez, mon cerveau me dit de aller tout balancer à Hope. Allez, on va aller voir Hope. Surtout que la désignée coupable, désignée coupable selon moi, c'est barré, étrangement disparu, la vilaine, la taupe, la vendue, ça parle mal. Tiens, je vais faire ma propre pêche, là. Un verrou du Languedoc. Eh bien, c'est cool. Alors, j'espère que Olive qui tue va bien. Regarde, je suis en train de me dire, ça fait un petit bout de temps qu'il n'est pas passé faire un coucou. Oh, Olive! Ouais! Oh, j'espère qu'elle va bien. I would live in a place with a brain wheel.
Oula. L'autre, il s'est téléporté devant moi, il m'a stoppé net dans ma marche. On ne court pas dans les escaliers. Et là, on la voit se vautrer et chuter des 500 étages et... Comme d'hab, finir une petite fumée dans un cratère 2 km en contrebas. Comme dirait un certain Maxime Robinet, j'ai des révélations de ouf gueudin à te faire. Oh, c'est horrible. D'ailleurs, accessoirement, on va aller voir le gars qui se la pète là, d'avoir toute bestiaire en base de données. Là, le grand maître Pokémon là. This is a significant amount of data, even for a specialist in the field. You surprise me. It still falls short of my work, but this is a first-class database. Je suis en bonne voie pour lui hein, de dégoter son respect là. Au moustique. Encore quelques. Honnêtement, je pense que dans le jeu, je dois connaître 90% du bestiaire. Parce que là, à force de tourner en rond. Gare au dialogue, là ça va être intéressant. I can't stop thinking about the incident in 13AF. The one you managed to stop. I keep coming back to the part where Alyssa and I were killed in Augusta Tower, before history was changed. For some reason, I'm not so sure the AI was acting on its own. What makes you think so? There's no denying the AI was out of control. I just wonder, was that really an accident? We get this off the ground soon. I've said it before, but I don't know how to thank you enough. Ah ouais. Alors là, vous voyez, je suis surpris dans l'intrigue. Je m'attendais à ce qu'elle balance tout à Hope en lui disant, mais écoute, il y a des dissidents du côté du gouvernement qui ont fait en sorte de saboter ton œuvre. Et elle a rien dit. Does the name Alyssa ring a bell? I've been trying to figure out who she is. Is it the name of anyone important? I know I've heard of her somewhere. Ouais, bah ici, Alyssa, c'est synonyme de Judas. C'est la traîtresse. All good here. Eh ben, je suis déception. Je m'attendais à du neuf en parlant à Hope, et là... Attends, il y a les hôtesses de... Je sais plus pourquoi je peux avoir des cadeaux avec les hôtesses, là. Are you leaving us already? Ah non, elles donnent plus rien. Il n'y en avait pas une autre à l'opposé? Ah non, elle a pris congé. Elle est plus là, la madame. Bon. Jeffrey Ney. Oula, cet enthousiasme. Attends, si je demande la carte me dit quoi? Montrer le rapport complété. Oui, bah oui, qui est pas encore complet, mais ça va venir. On ne désespère pas. Too many people. Tiens, quelque chose à me dire, le monsieur. If we use the ore's cross reaction, we might be able to get Cocoon to float without having to use a single drop of energy. Mm.
Alors les steps. Je veux vérifier ma théorie au niveau des steps. Merde, je sais même plus où c'est. Les steps sont demandés à l'accueil, s'il vous plaît. Rien que ça. Alors on va foncer voir le portail. Et je pense pas que j'ai le truc qui permet de déverrouiller le portail. Oh les tomates au ketchup, ça fait tellement longtemps. Ouais les flambanos là. Mon dieu, que de souvenirs. Oh, cette rencontre si éphémère. Alors, on voit que Noël a eu le temps d'être stone. Il a des petites sphères noires au-dessus de son crâne. Ah, il s'est fait empoisonner par les tomates au ketchup. Ah, les robots. Ah, ça fait bizarre de voir des robots dans un environnement naturel à une large étendue là. C'est un robot bang. Je sais pas ce qu'ils vont nous jouer. Tiens, mais elle aussi, Sarah là, elle a les cercles noirs au-dessus du crâne. Bizarre. On scotine des malus quand même lors des batailles. Ah! Ah, bah non, maintenant c'est l'analyse. Je croyais que j'allais l'ouvrir. Alors, j'ai peut-être le saut, mais j'ai peut-être pas trouvé le moyen de le briser. Objet spécial. Non, c'est objet clé. Attends, on est d'accord, j'ai quasiment tous les sauts. Donc, sauf s'il y en a un là que j'ai pas, mais. Ferme les portails. Tac, 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 tac. Ah bah merde alors. Mais j'ai pas celui des steps. Bah, c'est le là. Le saut calme. J'en fais quoi du saut calme? Ça correspond là où je suis des steps. Enfin, tu me diras, il met point d'interrogation assez. C'est ça qui est bizarre. Ah, attends voir. Je peux sûrement voir les steps à une autre époque. Merde. C'est pour ça que j'ai point d'interrogation assez. C'est que j'ai pas. Ah merde, j'ai pas trouvé le chemin pour aller aux steps dans une autre époque. Et c'est là que doit y avoir l'histoire du. Du saut. Oh là 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 là. Alors, je vérifie. Plan des environs du village de Noël, précieusement conservé par ses habitants, exploré à 100%. Nananora du futur. 100%. Plan indispensable à toute personne qui s'aventure dans les pics infâmes. Oui, bah j'ai tout à 100% là. Les steppes, j'ai à 100% maintenant. Ah non, 99%. Ah oh, merde.
Bon bah je vais rester dans les steppes et je vais me chercher le pourcent qui me manque. Oh, au herba, 96%. Oh, je suis désagréablement surpris. Vous voyez, comme quoi j'ai pas tout torché. Alors, on fera Oherba après. Et ici, les steps, je suis à 99%. On le voit en bas de l'écran. Alors, qu'est-ce qui me manque? Ah bon, j'avais l'impression que c'était ça. Mais j'en suis plus sûr. Oh, puis tu parles. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin, parce que quand vous voyez la vaste étendue des lieux... Oh, encore que ça va. Encore que ça va. Ça, ça va être des précipices. C'est le relief qui veut ça. Merde, il est où l'endroit que j'ai pas exploré? Ah, merde. Alors là... Oui, non, il dit toujours la même chose. Donc malheureusement, ce portail, ce sera encore pour plus tard. J'avais vraiment une suspicion avec l'endroit là-haut. L'espèce de monolithe... On dirait qu'il y a un truc dessus, en dehors de la... C'est pas clair. Mais on est d'accord, je peux pas me téléporter dessus. Donc je vais avoir droit à une bataille avant. Voilà. Bah ouais, des Steamishkin. Oh, pas que des petits. Il y a le grand Manitou avec eux. Il y a un de leur haut gradé que j'aurais vite fait de dégrader. Donc, voilà, hop, il n'est plus. D'ailleurs, au loin, qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi, loin, dans le paysage? Attendez. Là, c'est les montagnes. C'est des sacrés pics, d'ailleurs. Ouais, il y a un truc, là. C'est artificiel, ce qu'on voit derrière. C'est quoi, ce machin? Tant de mystères dans Final Fantasy. On dirait un énorme vaisseau qui atterrit. J'ai couvert un truc briller. Bon, ça devait être le dessus de la tête de Mog. Non, j'ai pas rêvé. Il y a un truc qui brille, qui est translucide. Il y a un truc que j'ai pas synchronisé dans l'espace-temps. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Comme quoi, faut avoir le coup d'œil. Bah, j'ai gagné une queue de phénix, bravo. J'ai gagné un Joker Résurrection, dont j'ai fait pas mal d'usage d'ailleurs au boss précédent, là. Le piaf électrique surexcité. Alors, où est mon ennemi? Who did you? Bon, bah, je suis content, je trouve que je progresse à un bon rythme, moi, ce matin. Ma session de... J'allais dire de Stardew Valley. Ma session de Final Fantasy est plutôt salutaire. C'est dingue, je me copie les malus quand même. Donc on est d'accord, il n'y a plus rien là. Quand je me mets au niveau du ruisseau. Nous sommes en séance de contemplation de décor. L'occasion pour moi de vérifier s'il n'y a pas un truc qui m'a échappé. Là-bas, il y a le truc magique cactus. C'est tellement étrange ce... Ah non, j'ai réussi à avoir l'objet. On voit que la sphère, elle est posée au sol, inerte.
C'est moi ou j'avais l'impression qu'il y avait un truc en translucide sur le rocher? Ouais, c'est pas clair. Quoi, où ça, qui, ou comment qu'est-ce? Ah, dis donc, bon! Rabat, 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 rabat. Oh, j'ai dit, ils ont oublié de les texturer, ils apparaissent vachement son. Là. Ils apparaissent vachement son. Là. Hop, je peux faire le saut magique. Alors on va tenter un super saut. Wouh! Pied d'appel. Non, ça suffira pas. C'était bien tenté, mais non. Not possible. Alors, il est où ce pourcent de terrain non exploré? Ça me bouffe. Ça me bouffe. Il considère que j'ai le truc à 99% ou pas? Non, non. Ah oui, à 99, mais pas à 100. J'ai l'impression qu'il fallait aller sur le truc, mais je peux pas, non? À moins qu'il y ait un privilège que j'ai pas encore. Je crois que j'ai que le premier tiers de privilège. Mais elle serait où la portion que j'aurais pas explorée? Ne me dis pas que c'est un truc que j'aurais mal fait dans le camp des chasseurs. Non, pourtant j'ai tout en bleu clair. Alors pour rappel, les endroits que j'aurais éventuellement pas exploré sur la carte, c'est du bleu foncé. Presque un bleu noirâtre. Et là, je comprends pas. Attends, j'essaie de jouer avec la... Vous voyez, la transparence de l'image d'arrière-plan. Je vois si c'est vraiment creux, si c'est du gris. Non, j'ai l'impression que c'est là. Vous voyez, là où je suis, le petit point, l'espèce de trou dans la carte, j'arrive pas à le mettre en gris par rapport à l'image d'arrière-plan. Ça veut dire qu'on peut y aller, mais comment? Alors le reste, on voit qu'il y a de la transparence. Mais pas là où je suis. Là, j'arrive pas à le mettre en gris, le trou. On dirait que je suis un jeu dans le jeu de manière complètement débile. Mais non, 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 c'est que c'est là. Mais la question, c'est comment je fais pour atteindre ce rocher? J'ai fait l'usage de mon super saut, j'y parviens pas. Et Mog, visiblement, je suis parvenu à le balancer pour qu'il atterrisse sur le lieu de récupérer l'objet. C'est pas clair. Ou alors, il y a une ruse que je maîtrise pas, une manière de me déplacer que je maîtrise pas. Je sais pas, c'est étrange. Oh. J'ai ni point plus proche ni plus haut. C'est bizarre quand même la disposition des lieux, vous voyez, on voit que le terrain est modelé pour faire tremplin. C'est que doit y avoir un truc, c'est pas possible. Ou alors c'est un privilège que j'ai pas encore. Une espèce de don. Et je me suis trompé de touche. Oh, j'ai appuyé sur la touche combat influencée par l'arrivée des ennemis au lieu d'appuyer sur la touche de saut. Voilà, donc au moins j'ai tout raté, c'est merveilleux. Alors attends, on recommence. Et hop là.
Non, c'est trop court. Même si ma trajectoire avait été parfaite, c'est trop court. C'est bizarre quand même cette histoire. Est-ce qu'il faut pas que je retourne au casino voir la prêtresse là qui donne les dons, les privilèges, voir si je peux pas redéverrouiller un don, un pouvoir, peut-être là en ayant battu le boss tout à l'heure, ce qui ferait que je serais peut-être en capacité d'atterrir sur la foutue Mesa isolée là, et enfin déverrouiller les 100% d'exploration de terrain. Ah non. On a voulu y croire, mais nope. Mais chiant. Hein. Puis on va voir avec la thune que j'ai si j'ai pas suffisamment. Et du coup au bercail, n'importe quoi. Au casino. Voir si je peux pas acquérir les fameux dés de gagnant là, de Salzer, là je sais pas comment il l'appelle. Salzer. Ah mais j'avais pas vu, c'est un gros cactus desséché en fait. Le rocher qui dit pas. J'avais même pas fait gaffe qu'il était sculpté dans ce sens. La même blague. Les bonnes blagues. J'en profite pour faire la petite chose. Gather wool from sheep to make clothing and blankets. Y'a rien qui m'a échappé ici, on est d'accord. Attends, travers les marches, y'a rien. Ah! Non, c'est rare, arrête de te baigner, de te cogner contre la rambarde. Non, je me souviens plus de celle-là, la quoi, hein, elles ont toujours des arguments de... Mon Dieu, elles sont terribles, elles. Pas mal ce qu'elle vend. Elle vend pas mal d'objets spéciaux. Que je n'ai pas d'ailleurs. Quoi? Accès à vraiment le changement de jauge de synchronisation. Ça c'est bizarre, pourquoi je peux pas l'acheter? J'ai la thune, mais c'est grisé. Améliore les effets de soins des objets, l'analyse des ennemis et la puissance des attaques auxquelles ils sont vulnérables. Le traité d'anatomie. Ah, c'est intéressant comme truc. Merde. Je vais peut-être prendre ça au lieu d'acquérir les dés dans le casino. Je verrai plus tard les dés de casino. Le traité d'anatomie, ça m'intéresse. C'est complètement craqué. Attends, mais j'en ai peut-être un traité d'anatomie. Attendez. Avant de commettre l'irréparable ou une bourde. D'ailleurs, on pourrait sauvegarder, je crois. Oui, on peut sauvegarder. Je vais pas me gêner. C'est la sécurité avant de commettre une bourde. Traité d'anatomie, ça s'appelle. Est-ce que j'ai pas l'objet dans mon inventaire, moi? Traité d'anatomie. Ah non. Accessoire, peut-être. Mais si, attends, j'ai un traité. Mais si, traité d'anatomie, j'en ai. Oh. Améliore les effets de soins des objets et l'analyse des ennemis. C'est intéressant ça. Équipement de chacun là. Attendez les gars. Vous m'intriguez. Pourquoi elle est dit de niveau 78 alors que lui il est de 99? J'aurais qu'elle était à 99 aussi, Serra. Je comprends plus. Ah oui, non, si, je sais pourquoi. Oui, non, j'ai compris pourquoi. Euh.
Bon là, elle aurait plus de magie avec Izanami, mais avec le Takemi Kazuchi, elle fait plus de dégâts. Alors, bon là, j'ai fumé tous ces points de. Ouais. Vas-y voir le traité d'anatomie. Ouais. M'intéresse. Potion améliorée. Ouais, intéressant. Moins résistance de l'oubli de data donc les PV max quoi ah oui talisman de feu oh talisman sanglant réduit les pertes de points de vie dues aux lésions ça aussi c'est intéressant il reste un emplacement de 25 à faire que je n'ai visiblement pas. Ah merde. Tout le reste demande plus de puissance. Oh merde, dommage. Mais c'est pas mal, tiens, je vais la laisser dans la configuration là. C'est pas mal. Crystarium du coup. Elle va peut-être grignoter quelques points, non? Ouais, un tout petit peu, ouais. J'aurais peut-être dû faire ça à la fin de la session, là, tout à l'heure, vers les trésors. Bon, maintenant que j'y suis, Crotum, d'ailleurs. Comme MacMahon disait, j'y suis, j'y reste. Eh bien. Là, je peux encore développer... développer leur constellation. Alors, réfléchissons, mais réfléchissons bien. Ah, mais c'est peut-être ça qui me manque, c'est le... Bah non. Non, c'est débile parce que je peux y aller quand la météo est changée, que le mastodonte n'est plus là. Ne me dis pas que mon succès est cantonné au patatage du mastodonte M2. Ah, il m'énerve le mastodonte, j'ai pas du tout envie de l'affronter là. Il me bouffe. Qu'est-ce que Merdoum ? Qu'est-ce que j'avais pas ? Qu'est-ce que j'avais mal exploré ? Oui, ah, Oerba, c'est ça. Hein. Oerba était à 96%. Oerba. Il faut que je me rende à Oerba. Attends, si je change la météo et qu'il n'y a plus de mastodonte, on est d'accord que ça change pas le. Pour lui, j'aurais toujours la carte. Là, je mets un orage de ma boule. Ouais, si je mets l'orage de ma boule, il est plus là. Oh merde. Avant de sauter dans un portail et nous barrer à Oerba, on va vérifier ma théorie. D'être certain d'avoir bien exploré là où il y avait le mastodonte et j'ai fait en sorte qu'il soit plus là. Génial, j'ai pas le temps d'appuyer sur une touche, je les ai explosés. Durée de la bataille, 1 seconde. Ouais. Et j'en goûtais à ma toute puissance. Le sanctuaire. Bizarre autant qu'étrange. Oh, lui aussi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un damné des Paxi là. Pareil. Ah non, là il me dit que j'ai mis 4 secondes. Ah, je deviens mou du genou. Qu'est-ce que ça cache quand on est au beau temps et qu'il y a le mastodonte qu'on aurait patate. Faudra qu'un jour hein, je parvienne à exploser le mastodonte de mes deux. Là. Donc, 2 objectifs dans l'immédiat. Retourner à Oerba et essayer de compléter la carte géographique. Aller au casino acheter les dés de prout-prout là du gagnant. Là. Plus aller voir l'hôtesse déesse qui donne des privilèges.
Et après ces deux grands objectifs, on avisera en fonction de ce qui se produit. Je gémis. Tiens, je prépare même la prochaine pub. Que je sais pas à qui je vais la faire, la pub. Attendez, on a dit quoi? On a dit Oerba. Ou alors je vais direct à... Oui, là, tiens, comme c'est en face, dans les couloirs du temps, là. Je vais directement au casino. On fera Oerba après. Qui c'est que je peux mettre en lumière? Ah, oui. Je sais plus si... Voilà, je crois qu'il accepte plus les relais de chaîne. Mais je crois que ça fait longtemps que je suis pas allé voir Billy le livre. Bon, je le mettrai en lumière après, une fois que la pub de coupon sera passée d'ici 2 minutes. Dans mon habillage de chaîne. Alors. Non, d'abord voir la... Je vais d'abord aller voir la déesse qui donne la récompense. Et puis après, je vais acheter le dé de machin chose. Oh, cette vue contrariée du dessus, elle est un peu cucu la praline. Enfin bon, bref. Ce qui est fait, est fait. Oui, je suis élu de la déesse. Yeah. Augmentation de points de compétence, c'est ça? Rencontres ennemis. Waouh, j'ai gagné 2 privilèges. Joie. Vous voyez, j'ai bien fait de revenir. Alors, mes nouveaux privilèges. Rencontres ennemis. Modifier le taux d'apparition des ennemis. Ah, plus fréquente, normale, plus rare. Oh la vache! Qu'est-ce qu'on fait? On bourrine? Pour aujourd'hui, allez, pour aujourd'hui, je vais mettre plus fréquente. Alors, augmentation de... Gagner plus de points de compétence à la fin des combats. Ah ben oui, mais bien sûr. Mais c'est n'importe quoi ce jeu, j'adore. Japon. Bon, on va essayer d'acquérir les dés de 7 heures, là. Ah, faut aller voir une hôtesse de vente dans un des casinos. Dénicheur de gameplay moisi. Ça fait des livres. Devil Alive. Il y a des moments, j'ai envie de reprendre la chanson célèbre Born to be Alive et chanter. Juste débile au live. Oui, ça va être elle. Greetings and salutations. What can I do for you today? Alors attends, c'est combien les dés du 7h? 7500. Que je prenne pas trop de jetons non plus, mais 7500. Ah bah ça va prendre toute ma fortune. C'est merveilleux et j'en ai pas assez parce que j'ai 7483 sur 7500. Fait chier. Il me manque 17 jetons. Mais merde. Oh merde, Doom. Eh ben je reviendrai à acquérir les dés de 1 tout à l'heure. On va aller à Oerba compléter la carte et prout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à déclarer. C'est cool cette musique. Mais j'ai l'impression que là que j'entends 2 musiques depuis ce matin qui me sont pas familières. Ou alors il se trouve que je me concentre enfin, que je porte attention aux compositions musicales. Qui, vous l'aurez remarqué, sont de haute qualité. C'est quasiment l'orchestre philharmonique qui a joué certains morceaux. Mais bon, bref. Japon.
Ouerba, ouerba, ouerba. Et ouerba, j'ai tout fait dans les... Attends, j'ai tout fait dans ouerba, mais j'ai pas la carte complète. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Là, ouerba, au 3e et 4e siècle, il est torché. 2e, 3e, 4e siècle, ouerba, torché. Mais il me manque de la... Bon, on va commencer par le ouerba du 2e siècle. Hein. On a le choix sur 3 siècles, alors on va... Je vois des choses sur mon interface PC. Oh, ah ouais, la fréquence est bien augmentée. J'arrive à peine, pan, guet-apens. Oui! Patata Jean Wagle! Ah bah c'est déjà fini. Bon, sérieusement, observons la carte. Et il va me dire que j'ai pas tout? Ah ouais, j'ai pas tout. Ah, c'est la plage de mes deux! C'est ça qui me manque. Oh, ah bah tiens! Allez, qui dit plage dit tenue coquine! Allez, zou, on va pouvoir se rincer l'œil. Youhou! C'est justifié ici. Ah! Bon, bah, j'avais un combat tous les 50 mètres. Maintenant, j'ai un combat tous les 15 mètres. C'est le bonheur. Si j'ai bien compris ce qu'il a dit, il a dit je pourrais être désolé, mais je ne suis point. Ah ouais! Ah ouais, non, mais ce paramètre de fou. En fait, je peux plus faire un pas sans déclencher une bataille maintenant. Ah, mais c'est délirant. Enfin, ça va si je gagne les batailles en 10 secondes. Moi, je signe tout de suite. M'en fous, ça fait de l'expérience. Je vais pas me plaindre. Ah merde, oui, il faut sauter par-dessus. Je trouve quand même que c'est sympa qu'ils aient laissé pour le public le choix des variables appelées privilèges. C'est pas con. Franchement, c'est pas con. Ça, j'aime bien. Ça, vous voyez, dans ma critique, je le mettrais dans la balance du positif. C'est une bonne initiative. Pas con, pas con. Hey, Dilo, Binit. Oui, c'est par là-bas que je vais rejoindre plus rapidement la plage, je présume. J'ai dit, je présume. C'est selon le moment où je suis lamentablement planté. Je veux l'aider de Trounounouf. Allez, c'est reparti. Oh mon dieu! Ah, c'est jeu! Mon dieu, mon dieu, mon dieu! Ah non, mais c'est bien, au moins le Final Fantasy là, je vous l'aurais torché. C'est magistral comme. Comme expérience de jeu. Ok, j'ai pas eu le temps de choisir une attaque, ils sont tous morts. Pourquoi pas?
J'ai quasiment l'ivresse, en fait, pour faire un aveu. J'ai quasiment l'ivresse d'être, vous savez, dans l'équipe de développeurs, avec les codes de triche pour tester et prouver le jeu, voir si tout est cohérent, tout est bien calibré, on va dire. Parce que là, c'est n'importe quoi. On est dans l'expérience contraire à ce que j'ai vécu, souvenez-vous, pour les plus fidèles d'entre vous, quand je me cassais les dents sur le dur de l'anus, là. Dandelus, dans le premier Blu-ray, qui me bouffait les nerfs. Je passais une demi-heure à le patater et j'étais en situation d'échec. Là, c'est tout le contraire. 30 secondes de bataille, je me promène, tout va bien. Oh, c'est trop fort. Allez, c'est la fête. Et je sais pas pourquoi Noël est dans les gaz. On le voit avec les cercles noirs au-dessus du crâne, donc il a un malus d'être assommé dans les vapes, là. Ah, si, je sais! C'est moi-même qui me suis attribué le malus. Parce qu'en échange, j'ai un énorme bonus, mais je sais plus ce que c'est. Si, j'avais trouvé un artefact de Maboul la dernière fois que j'avais joué, là, le week-end dernier. Je sais plus ce que c'était. Mais oui, en échange d'un malus, j'avais un énorme bonus. Oh, je sais même plus ce que j'ai fait. Non, non, c'est normal, en fait. Tiens, j'avais oublié qu'il y avait un portail, là. Voilà, vamos a la playa. Vamos a la playa. Ça, tiens, l'ennemi est plus coriace que la normale. J'ai eu le temps de changer plusieurs stratégies là. Mais c'est bizarre. Hein. Pourquoi je peux pas aller dedans là? Oh, ça aussi c'est un ennemi que j'avais oublié. Mais pourquoi pas oublier l'existence des sensus? C'est bizarre, visiblement je suis pas libre de me... Bon, comme un accord avec moi-même, on va calmer le jeu. Attends, on va dire moins fréquente là, doucement, doucement, doucement. Voilà, plus rare. S'ils sont un peu trop nombreux, mais... Pourquoi je peux pas me promener sur la plage? Eh, j'ai dit moins fréquente. Là. Attends, mais il y a un bug. Bah, je peux pas les atteindre, c'est quoi ce bug? Oh, le boxon. C'est bizarre que j'ai un mur invisible pour la plage, pourquoi? Faut pas que je fasse l'acquisition d'une barque quand même. Et puis Serra, elle sait nager, non? Je comprends pas. Bah oui, je devrais pas avoir de mur invisible. Pourquoi je suis du surplace là? Attends, il y a un truc que je piche pas. Ah! Il faut peut-être chevaucher un chocobo pour pouvoir aller dans l'eau. Parce que lui aura pied. Vas-y voir. Bah non, j'ai toujours un mur invisible. On le voit hein, que j'ai un mur invisible. Pourquoi je peux pas descendre sur la plage là? Oh, il y a un truc qui est pas clair. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah oui, là, je suis d'accord, au niveau de la carte, il n'y a plus rien. Pourtant, il faut que je puisse aller là-bas. On le voit hein, dans mon cercle radar, là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors, je sens que je vais aller sur Internet poser la question pourquoi je peux pas me promener dans la flotte à Oerba. Il faut y aller en lévitation, là, ou quoi? Ouais, Léon, ouais, c'est ça, exactement.
Non mais... Faudra m'expliquer. Pourquoi je peux pas... Ne me dis pas qu'il faille que je sois contraint de lancer Mog... Attends, je descends du chocobo. On se foirait à la pépinière, oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Exactement. Attends, limace à la noix. C'est troublant comme... Attends, faut que ce soit Mog que je balance. Attends, le pauvre, je vais le balancer. Alors attends, j'arrive même pas à voir. Si je le balance au moins par là-bas. Non, c'est même pas au bon endroit. Non, non, il faut que je passe au-dessus. Oui, j'ai l'air ridicule, vous avez gagné une pièce. Alors attends, là-bas. Ouais, vers l'infini et l'au-delà. Bon. Ah, je l'ai bien balancé dans la zone non explorée, mais c'est pas considéré comme étant exploré. Ah, merde alors. Alors pardon, pause. Je vais sauvegarder. Attendez, pardon. Là va y avoir un moment de flottement. Parce que il faut que je trouve le... Je comprends pas. Et je sais pas. Au lieu de... Attends, je vais pas vous mettre ma tronche. C'est débile. Vous voulez peut-être voir le tableau mystère là. Pour ceux qui veulent jouer au tableau mystère, attendez. Parce que je risque d'errer pendant 5 bonnes minutes sur internet. Le temps de trouver réponse à ma question pourquoi au Herba je peux pas aller sur la plage. Ça me bouffe. Ça me bouffe. Orbi, Herba, tigi tigi di, tigi tigi di, Orbi, Herba, tigi di, tagadagada. Ah, voilà. Alors, Final Fantasy, voilà. Herba, le coup de la plage, on y va comment? Alors, analyseur de la thune, aller sur le toit, machin, d'accord, mais ça me dit pas comment à Werba je peux aller sur la plage. Ah, c'est beau, il y a un site dédié, tiens, faut que je mette dans mes favoris, qui s'appelle FF Heroes, donc Final Fantasy Heroes.com. Je ne connaissais pas ce site. En même temps, j'ai pas beaucoup... depuis le début, franchement, j'ai pas regardé souvent les solutions sur Internet. Mais là, c'est tordu, là, je comprends pas pourquoi je peux pas aller sur la plage. Artefact primitif, machin... Non, 600 gil, prout. Ouais, c'était au début, ça. Pas clair. Attends. La géante derrière vous, pourtant, labyrinthe, magie, mog, passage, cristal, machin, blablabla. Bon, ça, c'est les épreuves de temporelles, dans les paradoxes. Ça a été fait depuis longtemps. Un coffre contenant un poignet de force, premier coffre contrebas, bâtiment, ramasser un plan. Et ramasser le plan d'eau herba au fond du rez-de-chaussée. La vision à étage, vous pouvez enlever les chocolinas, activer l'ambiance temporelle, nom de la place. Résolution de épreuve, partie du village, fragment, blablabla. À aucun moment là il me parle de la plage. Couronne d'hypnose,
choses. Ah, sur la plage, vous pouvez ramasser un analyseur et de la thune en entrant dans la maison. Sur le toit, dépensez vos points de compétence et examinez le lecteur d'oracle, car un boss vous attend. Caius n'est pas d'accord de ce que vous faites et vous le fait savoir. Donc on a eu le combat il y a longtemps contre Caius ici. Après le dialogue, ramassez artefact aube, Caius coffre, portail apparaît, mon yacha, ça s'est fait depuis très longtemps, il me parle pas de la plage. Pourquoi je peux pas... Puis il me guide sur Oerba qu'au deuxième siècle, alors que j'ai Oerba dans d'autres siècles. C'est bizarre. Ah, il parle des privilèges. Alors, je vais sûrement me divulgâcher, pardon. Esprit vendeur, chance de collectionneur, saut anti-gravité. Oui, bah, c'est ce que j'ai, le saut anti-gravité. Augmentation de esprit de compétition, musique, chocobo, illusion temporelle. Ah, sympa! Eh, hey, il y a un privilège génial qui va durer le titre du avec plaisir du jeu. Manipulation temporelle, il faut que je termine l'histoire principale, ça me permettra de rejouer certains passages du jeu de manière différente pour voir les fins paradoxales. Ça, c'est très bien. Ah, c'est cool. C'est vraiment cool. Tac, 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 tac. Ouh là 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 là, d'accord, ok, il y a des trucs complètement pétés. Ah, ça me plaît bien. Vous voyez là, là, ce que je viens de lire vient de relancer mon intérêt pour le jeu. J'apprécie. Ah voilà, Oerba. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a au 3e siècle d'Oerba? Bon, ça, je m'en moque. C'est les... Ah oui, il donne carrément les solutions des énigmes, ok. Oh vache. Non, moi j'ai le mérite de l'avoir fait sans tricher. Ah, c'est tout? Oh, mais c'est nul! Et au 4e siècle, c'est quoi? Faut vraiment que je conserve ce site, il est bien fait. Il va à l'essentiel direct. Putain, mais c'est nul. Oh, en fait, il me donne des solutions, il me dit bah, en fait, tout ce que j'ai déjà fait. Pardon, je m'envoie des fleurs, mais... j'ai, honnêtement, j'ai bien joué. C'est ce qu'il faut se dire. Je n'invente rien. À qui vais-je faire de la pub? Oh. Oh. Non, j'ai pas d'idée. Oh, c'est tellement classique, mais on l'aime bien, le garçon. Ça fait cadeau Anthony. Qui d'ailleurs, hey, en parlant de cadeau Anthony, je vous ferai remarquer qu'il fait de plus en plus de cuisine. Je l'ai surpris en train de faire des brioches alsaciennes là il n'y a pas longtemps. En plus, il a une belle cuisine toute équipée, la classe. Ah là là, sacré cadeau Anthony. Monsieur se met à la cuisine. C'est-il pas beau? Bon, allez, reprendre. Donc, je sais toujours pas comment je fais pour explorer la plage. Je serais tenté de sauter dans le portail et d'aller voir Oerba un autre siècle. Peut-être que le niveau de la mer était pas le même à une autre époque. C'est peut-être ça l'astuce. On va dire entre grosses guillemets, là je suis à marée haute et il faut que j'aille dans le siècle d'Oerba où c'est à marée basse. Ça se tient. Honnêtement, ça se tient puisqu'on a l'endroit au 2e, 3e et 4e siècle. Donc là je suis au 2e siècle. On va voir le même lieu un siècle plus tard. On passe du 2e au 3e siècle, s'il vous plaît. Peut-être que la mer était plus basse. Là, ça se tiendrait, vous voyez. Ça me semblerait logique. Alors, Oerba, l'an 300, c'est où Oerba, l'an 300? C'est en haut, je crois.
Ouerba en 300. Voilà. Ouerba au 3e siècle. Allez, où quel est le niveau de la mer? Tap 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 tap. Oui, et puis tiens, confort, je vais chevaucher un chocobo comme ça. Là c'est le contraire, j'évite les batailles. Attends, il y a un portail là. Oh, ce petit truc. Tiens, d'ailleurs la carte elle dit, je pense qu'elle dit pareil, elle dit que je suis à 97%. 96 même. Mais attends, on va aller voir de quel est l'état de la mer là. Et comme dirait Torota, n'interprétez pas mal mes propos. Oh, ça avait été clippé quand j'avais dit la mer est démontée. Ah, c'est malin. Bon, bref. Ah, j'y ai cru. De voir le chocobo mettre sa patte dans la flotte, j'y ai cru. Putain, mais on voit qu'il y a des trucs que j'ai pas... Il y a des trucs là-bas au loin, vous voyez. Avec l'espèce de brouillard. Putain, c'est vraiment bizarre. Oh, ce jeu. Et là, j'ai un portail au 3e siècle où le portail a disparu. Ah ouais. Le siècle suivant, le portail s'est délocalisé. Non, c'est pas... C'était un truc planqué. Oh, le bordel avec les pierres. C'est quoi ce engin de mort? On dirait une fusée. It's a chocobo radio. Let's rock. Oh, les excités. C'est vrai que ça doit bien défouler d'être chanteur de rock, là. Mangue, mangue. On n'aura retenu que deux mots dans Final Fantasy, Chupo et Chocobo. Ils ont ça à dire. Bon, allez, même endroit, un siècle plus tard. On va d'ailleurs voir s'il y a la sphère qui est toujours en lévitation dans l'océan. Est-ce qu'elle est là juste pendant quelques années? Final Fantasy. Mériterait que je mette les pattes du sanglier au-dessus de mes lunettes. Non, ça tiendra pas. M'apprendra à vouloir essayer de faire le mariole. Ça ne donne rien. Ah. Voilà, là. Voilà. Tiens, déjà. Ah, et c'est beau, 4e siècle, il fait beau. Ok, terminé. Oui, je suis même troublé par où je suis arrivé. Excusez-moi du peu. Ah oui, d'accord, je suis là. Ah oui, autant passer par l'escalier comme j'ai fait tout à l'heure. On sera le long de la plage. Oh. Nunuche d'ennemis. Oh.
Voilà, c'est tout contraire. On passe du brouillard, tempête de désert à un ciel magnifique. Qui là, pour le coup, donne envie d'aller à la plage. Ah, faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Ouch. Tellement de vulnérabilité. Ah, il est encore là, lui. Oh, bien, bien. Il pète les poings, le Mariol. Il est plus costaud qu'il vous paraît. D'ailleurs, attends, bon, qui meurt. Ah, mais je connaissais pas. Incroyable. Je l'avais encore jamais confronté, dis donc. Ah, c'est une variante inconnue pour moi. Ah bah, c'est bien, ça va compléter mon bestiaire, là, par rapport au maître Pokémon, là. Ah, extraordinaire cette session de ce matin, je vous dis-je. Ah là là, bon rythme à torcher le jeu là, merveilleux. Ah, 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 l'eau est plus lointaine. Ah voilà, ce siècle là où il y a moins d'eau. Ah, c'est au 4e siècle qu'il y a marée basse. La marée basse du 4e siècle. Oh, viens par ici que je te démonte la tête. C'est la guerre, témoin nucléaire. D'ailleurs, voyez la qualité du bestiaire qui se présente à moi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à cacher. Je vais découvrir le Protoroid. Le jeu a quelque chose à cacher. Parce que là, ça équivaut presque à un boss, les deux voyous. Ah, ils sont beaux quand ils se tiennent sur leur patte antérieure. Oh là là. Bonjour, Pop et Drip Pop. Oh, qu'est-ce que tu deviens? Comment que ça va? Oh, je suis réjoui de te voir ici, Pop et Drip Pop. Mon Dieu, ça fait un bac qu'on t'a pas vu diffuser. Yeah, on a gagné. On les a fumés littéralement, vu ce qu'on vient de voir à l'écran. Ah, Pop, Henry, Pop, Pop, Henry, Pop. Ah, de l'intérêt de la marée basse. C'est beau cette plage de sable fin, en tout blanc. On dirait presque de la craie broyée en poudre, tellement que c'est blanc. Oh, qui c'est qui m'agresse? Les trous nounouf m'agressent. Patatons les trous nounouf. Ah, chic. Non, déconne pas, Pop and Ripop, t'as déménagé dans le sud. T'as un nouveau boulot, mais le temps de m'y faire, je me placerai sur Twitch. Ah, je te comprends, c'est éprouvant. Autant dire que t'as changé de vie. Alors ça va, une femme, des enfants. C'est le mec qui fait le bon direct dans la biographie. Non mais bravo, parce qu'il faut du courage pour faire ça. Moi je déteste ce genre de truc, les changements, je déteste. Enfin bref, ça tient qu'à moi, mais... Non, non, bravo à toi. Alors, j'espère que ça se passe bien. Oh! Alors, n'allez pas faire la vanne, il est à côté de l'opérateur téléphonique. Hein. Mais d'accord. Ah ouais, donc tu es proche des co-régies. Merde, comme on dit, des champs, là. Enfin, ils ont un magnifique amphithéâtre à Orange. Oui, ça doit être beau par là-bas. Mazette, qu'est-ce que ça doit te changer?
Attends, pardon, je vois le truc translucide que je convoitais tout à l'heure. Eh ben, sacré pop and ripop. Would you? Chebao. Ah! Oh, l'arc âme sauvage. Me voilà intrigué. Équipement. Attends, Sera, c'est elle qui tire à l'arc. L'âme sauvage. Ah, ah non, j'allais dire c'est mauvais. Oh, c'est plus puissant. Ouf. Elle va faire des dégâts, la miss, avec ça. Ah bah voilà, Sera, une nouvelle arme. Eh bah dis donc. C'est la plage de la violence. Alors, que dit la carte? Je l'explore à 100% ou pas? Oui! Ce qui veut dire, avec le terrain exploré à 100%, je peux retourner en ville, là où il y a la cartographe, et lui dire « Ah, oh, j'ai un plan complet d'Oerba yeah. !» Alors, le changement ne me dérange pas, du pop and hip-hop, alors que je reste un peu concentré quand même dans ma bataille, parce que le niveau est assez relevé, là, quand même. Vous en conviendrez avec moi. Un déchaînement de violence. Le changement ne me dérange pas, mais là je suis sur un poste qui demande un peu plus de concentration en début. Plus les week-ends, acheter des meubles et autres pour s'installer. Ah oui, ouais, vache. D'accord, t'as fait un renouvellement de patrimoine perso. Je conçois. Je conçois alors que je suis en train de constater que l'ennemi est en train de me tenir en respect. Ce qui m'étonne un peu. Ah la vache, il a failli me mettre KO Noël, le pot de vache. À ma grande surprise. Eh bien, bravo, Pop and Ripop. Et merci pour les nouvelles. Salutations. Nous avons le plaisir d'accueillir Dragon de Lorraine. Bonjour, Dragon de Lorraine. Alors, ce film aussi noche de Final Fantasy, c'était comment? Dis-nous tout, Dragon. Dis-nous tout. Ou alors, si t'as pas envie de rédiger un pavé, tu sais, par rapport à ta séance Cinoche, Dragon. Je pense que... Oui, je pense que t'auras la vocale ouverte quand on fera du Stardew Valley ce soir. Alors, priorité à Torota, qui m'expliquera plein de trucs. Mais je pense qu'à un moment, t'auras ton temps de blabla, si tu le souhaites. Il faudra que tu nous racontes, grosso modo, la qualité du film. Si ça te dit, hein, Dragon, évidemment. Wally Wallou. J'espère que t'as apprécié ta séance de Châle Obscur hier soir. Il faut que j'aille voir la cartographe en ville. Et le portail était assez loin, pour l'avouer. Oh, pop. Pop and ripop, comme dirait certains. Attends, je vois un cube en lévitation, là. Qu'est-ce qu'il a failli échapper à mon attention? Il est où? Je l'ai vu. Il est là. Oui, s'il te plaît. Vas-y, Mog. Ouvre-moi ce cube. De l'intérêt de la contemplation. En fait, j'ai mal exploré la zone. Oh, le saut au foyer. Eh, ce serait pas le saut qui correspond au step. Avec l'étrange portail. Je suis soupçonneux. Parlant de Stardew Valley, je l'ai sur PC. Ah bah hey, tu vas pouvoir nous rejoindre ce soir, Dragon. Tu pourrais nous rejoindre si ça te dit. Alors oui, ça fait un moment que je suis dessus, Pop and Ripop, sur ce Final Fantasy. Là, je suis en route pour le torcher.
C'est-à-dire que je suis en droit de demander la bataille finale, mais je vais pas la demander maintenant, la bataille finale. Je suis en train d'essayer de faire un presque 100%. Je suis tellement acharné sur le jeu que... Mais tant que le plaisir est là, tu vois. Et je suis... À mon avis, je vais le finir à allez, 95%, je pense, ce Final Fantasy. Au moins, ce sera une chose de faite dans ma carrière de joueur. Ce soir, ça risque d'être compliqué, tout dépend de l'heure. Bah, moi, je me voyais faire du Stardew Valley avec Torota, en grosso modo, de 17h à 20h. Mais, tu sais, tu prends le train en marche, Dragon. Tu prends le train en marche. Si t'es dispo, tu viens. Si tu peux pas, ce sera partie remise. Ne t'en fais pas, Dragon. Mais tu sais que t'es le bienvenu. Oui, je me fais plaisir, ouais. C'est ça, Pop and Repop. Alors, du coup, je prolonge la question, Pop and Repop. Tu dois à l'avenir reprendre tout doucement ta propre antenne sur Twitch. À moins que t'aies plus du tout le temps. Comment tu te projettes dans ton expérience Twitch, mais à titre de diffuseur, s'il te plaît. Évidemment, merci à toi de venir nous rendre visite, ça fait super plaisir. Un ennemi a pas jeté. Galage. Ah bah voilà, bataille terminée. Oui, c'est vrai, je peux passer par là. Le combat est ici, le portail est par où, je ne sais plus. Alors quand j'aurai passé ma période d'essai, c'est allant de 4 à 7 mois. Ah oui, je comprends, oui, ce sera moins stressant. Ah oui, alors je te dis, Frotum, Pop and Repop. Ouais, ouais, là, t'es sous pression, mon pauvre. Dur. Dur, dur, dur. Qu'est-ce que je vois là-bas? Bah... Il y a un truc que j'ai pas ramassé. Bah, j'étais pas arrivé par ici, moi. Waouh ! Et oh, j'ai mal exploré le 4ème siècle d'Oerba, là. L'Oerba de Turfu, j'ai mal fait mon boulot, moi. Bah alors ? Des coupons de platine. Et une bataille en cadeau. Qui va durer 5 secondes. Vu mon niveau complètement craqué, oui, j'ai cette prétention. Voilà, terminé. 2 secondes. La bataille a duré 2 secondes. Ah, un peu mou. Je suis plus habitué aux batailles réglées en 1 seconde. Et tiens, faisons les fous. Allez, zou, c'est la fête. Oui, sur le chocobo. C'est des chocs de chocobo, c'est des chocobo, c'est des chocobo, c'est des chocobo, nanananana. Je fais n'importe quoi. Bon alors j'ai ramassé. Oh, et c'est beau de face de voir sauter le chocobo, de sauter de face. C'est stylé. Tiens, y a pas quelque chose ici? Ah non, y a rien. Je suis déception. Oh, y a rien dans l'arbre? Ouais. Je reste suspicieux, comme vous le savez. Tant de secrets à découvrir. Ça c'est quoi? Là-bas il y a un salon de machine. Attendez, pardon, je vous lis sous peu. Hein. Je vous lis sous peu. Bon là le bâtiment est fermé. Non, bah je vais me barrer. Je vais me barrer. Mission. On va aller voir la cartographe, lui remettre la carte d'Oerba. Elle va être contente. Ce coq est incroyable, c'est vrai. Hein. C'est extraordinaire. Alors j'espère faire le mieux pour limiter la période à 4 mois. Ouais, c'est sûr. Tu vas avoir une soupape de décompression qui va sauter, une chape de plomb là quand tu vas. Tu vas valider ta période d'essai. C'est tout ce qu'on te souhaite, évidemment.
Pardon, j'ai le lobe droit à faire la conversation à Pop and Repop et le lobe gauche à jouer. C'est honteux. C'est pour ça que je parais confus. Elle est où la cartographe de mes deux là? Elle est là, je crois. Elle est dans l'Académia du 4e siècle. On va vite le voir. C'est l'Académia chaotique. Où il y a le foutu LC là que j'arrive pas à trouver. Le LC qui transforme les humains en monstres. Alors le LC là, je le trouve. Le dernier qui a échappé à la... au miracle là. Franchement, je le déchire en deux celui-là si je le trouve. Je sais pas si c'est possible, mais alors, je pense. Encore que... Je suis pas sûr. Ah! Le tournage du film Sonic 3 est terminé et sortira le 20 décembre prochain. Ah, merci Junzen. Ça, c'est une info culture intéressante. Incoming. Eh oui, c'est le bon univers. Sauf qu'il faut que je trouve le bon chemin pour rejoindre vite la cartographe. Je ne peux pas passer non plus ma matinée à faire que du patatage. Il faut qu'on avance, les gens. Nah, foudroyage intégral. Bouh. Faites place. Ah ouais, Jim Carrey dans le rôle de Eggman. De l'infâme Dr. Robotnik. Hic. Pardon. Et bon appétit, car il est midi. Boileau Guigui. Nien. Monster toi-même. What's going on? Da-da-da-da-da. C'est ça, à table. D'ailleurs, à table, je sais pas ce que je vais manger. J'ai la chance d'avoir le choix, mais... J'ai pas envie de pizza. Alors, j'ai une pizza de Joker, mais j'en ai pas du tout envie. Je pense que moi, je vais manger une salade taboulée. Ça m'ira très bien. En plus, le taboulé va me rincer de l'intérieur. Ça me fera du bien, tiens, de manger un peu de salade. Parce qu'à part ça... Bon, là, je vais faire un Lola sur les pâtes et le riz. Parce que j'ai carburé presque à ça ces derniers repas. Ouais, salade. Ça fait... Ouais, ce sera équilibré. Ah, du G20, du... Tiens, là, la cartographe. Ah, guide de voyage au Airba, bonus. Il lui manque... les steppes. Il lui manque juste les steppes à la miss. Mais alors, les steppes, ça sort par les trous de nez, l'histoire du pourcent qui me manque. Je dois être en moyen de faire le 100%, mais j'ai pas compris comment en fait. Je pressens que mon problème est là. Attends, quand je vais là, la carte me dit quoi? Apporter les cartes complétées et c'est tout, d'accord. Qu'est-ce que je fais? Je m'acharne encore une heure. Je m'acharne encore une heure à dans les steps à essayer de faire la carte à 100%. Oui, pourquoi pas. Comme j'ai des nouveaux trucs, je vais encore voir si j'ai le saut à briser là. Ouais, il y a des trucs qui sont pas clairs. Je vais retourner dans les steps. J'espère que c'est pas conditionné au patatage du mastodonte de mes deux là. Parce que je suis pas condamné à patater le mastodonte dans les steppes. Je me pose la question. Oui, partons d'ici, exactement. Ouais. C'est un monde de chaos et de tristesse. Et il va pas me laisser sortir de l'escalator, cet abruti va me foutre une bataille. Oh, pushcule heureux pequeux. C'est un scandale. Allez hop, défaillance du groupe, le vilain. Oui, mourrez.
Et voilà. Ouais. À un moment que je peux faire la... Voilà. Il fallait que j'abuse de mon don de lévitation. Oh, je serais condamné à patater le pachyderme dans les steppes. Oh, c'est une bataille d'un chiant. Ça dure 20 minutes au minimum et c'est d'un chiant. Oui, c'est bizarre, j'ai pas tous les fragments, Academia. C'est peut-être conditionné par le fait d'avoir les cartes, en fait. Ouais, bizarre autant qu'étrange. Attends. Je cède à l'envie d'aller rapidement faire un saut au casino, acheter les dés de Prout-Prout, au moins ce sera fait. J'aurai dans l'escarcelle et j'aurai plus de questions à me poser. Et oh, je suis pas motivé à me à faire les steps avec le pachyderme, ça me bouffe. Il m'a mis en échec 5-6 fois à chaque fois au bout d'une demi-heure de bataille au moins. Et c'est frustrant. C'est. Ah, puis le coup où il arrive à se régénérer les pattes, ça me sort par les trous de nez. Ça me sort par les trous de nez. Alors, par le plus heureux des hasards, ai-je droit à un privilège, le temps qu'à faire. Abusons de la bonne fortune. If you present me with any fragments you obtain, I will offer you some guidance. Ah non. C'est pas comme si j'en avais eu deux ce matin. J'abuse. Bon allez, je vais aller faire l'acquisition des dés de chanceux. Ah bonjour, c'est NesTV. Comment que ça va ce dimanche matin? Ah, toi aussi, merci de nous rendre visite. C'est rigolo de passer faire un coucou, ça fait plaisir. Yeah, bébé. Cette musique. Ah, moi, ça va bien. Ah oui, merci. Bon, bah, c'est bien, tout nous va bien. Dans l'ensemble. Alors, jetons, il m'en manque une vingtaine. Voilà. Non. Ah oui, j'ai gagné des coupons, c'est vrai. Voilà, les dés de 7 heures. Bingo. Échanger des coupons. Oui, bah voilà. Ah bah voilà, j'ai gagné 1000 jetons. Merveilleux. Les dés de 7 heures. Thank you. Please come again. J'ai pas mal progressé sur Starborn en mode casual. Ah, bien, Arsenus. C'est bing. Ça aussi, très grand jeu, très beau jeu, Starborn. Plein de poésie, Starborn. Alors, une fois que j'ai aidé de 7 heures, normalement, tout est complètement craqué. Et je ne sais plus. Attends, la carte il me dit quoi au niveau des objectifs? J'ai aucun objectif là. Et si je me barre de l'établissement, je retourne dans la cour extérieure. Observons, qu'est-ce qui se passe? J'apporte la civilisation à coup de lance-roquette. Oui! Eh ben dis donc. Tu fais dans la diplomatie intergalactique, Arsenos, je crois savoir. Oh mon dieu. Aïe aïe aïe. Prends cette carte. Eh bien. Bon. Inventaire. Attends, les dés de 7 heures là. Dans les objets clés, je pense. Non. Ah non, ça doit être dans accessoires. Encore que, c'est pas dit. Mais non, c'est pas un accessoire les dés.
Attends, ornement. Non, c'est dans objet. Dans les objets clés. Attends, où sont les dés de cette heure? Je les ai pas dans la liste là. Oh, c'est bizarre. Manuel de service. Ah. Et il me manque le plan des steppes. Ça, c'est fou, ça. Oh, les steppes qui vont me faire rager. Il me manque un truc à 1% pour déverrouiller tout le schmilblick. C'est quand même dingue. Eh oh, franchis la porte, madame. Ouais, retour dans les steppes de mes deux, là, qui me sortent par les trous de nez. Ouais, on peut jouer avec le... Oh, c'est beau. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, à beau. Gerbotron, ouais. Là, on s'amuse avec la gâchette directionnelle, ouais, on fait nimp. On fait nimp. Allez, je bois un coup. Je vais refaire du forcing avec le foutu portail que j'arrive pas à... Et ensuite, je remets les conditions pour avoir le mastodonte et je le confronte. Ouais, je snob les batailles là. Je suis mon vilain, je veux vraiment avancer parce que ça me bouffe. C'est vraiment trop bizarre cette histoire. Attends, je trouve que c'est pas clair le... Oh, on est d'accord qu'il n'y a rien d'autre. Non, lui, il n'y a rien. Lui... Bah non. D'accord. Je veux vraiment être sûr. Ah, ce fichu portail. Sure, but this gate seems different from the others. Ah oui, merde, c'est vrai qu'elle est en tenue de plage. Elle a pas l'air débile comme ça. Oui, et puis elle est bizarre cette tenue. On dirait qu'elle est blessée à l'épaule. C'est une tenue étrange. Idole guerrière. Tiens, on l'a pas mis en... dans sa tenue sombre. Ouais, ça lui va pas mal, la tenue sombre. Bon, bref, je peux pas passer le portail. J'ai encore pas gagné. Le moyen de le briser. Je pense que j'ai le saut, mais je sais pas comment faire. Oh. Et pourquoi il me dit que j'ai pas tout exploré? C'est à cause du mastodonte? Oh, c'est fou ça. Est-ce que la météo ne peut pas influencer l'accès au... Le truc qui me manque. Attends, c'est quoi le truc? Ah non, c'est Cupo qui déambule. Je me disais merde, mais qu'est-ce que je vois? Bah! Oh, mais elle sait pas faire usage de son pied d'appel en saut, la miss. Attends. Ouais, non. Putain, j'ai l'impression que c'est ça qui me manque. Ah, ça me rend fou. Je vais réanalyser la carte, mais... Non, c'est le truc là qui me manque. Tout le reste, on est d'accord. Ah, c'est ce truc de merdoum qui me manque.
Comment je fais pour la voir et monter dessus? Non, je peux pas feinter le truc, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, je peux pas escalader des pylônes, ça se fait pas. Enfin, je pense pas. Mais non. C'est pas une bonne idée. Faudrait que j'arrive à aller au-dessus. Comment c'est possible? D'accord, si je fais ça, c'est le menu. Attends, je suis même pas me demander s'il y a une touche que je maîtrise pas ou je sais pas quoi. Oui, je peux pas lancer mode, ça c'est... Il n'y a pas de... Je suis condamné à faire ça. Non, ça change rien. J'essaie d'appuyer sur les gâchettes en même temps pour voir si j'avais un bonus de menu. Oh, je piche pas. Bon, on va provoquer le mastodonte de mes deux là. Ce jeu délirant. Bon, qui c'est qui veut que... Ah, d'accord. Alors, oui, la machine. On est d'accord qu'avec la météo, je peux pas influencer l'accès à la maison. Oui, là, le mastodonte est là, du coup. La plaine là-bas au loin, elle a c'est un changé. You did it. The storm is gone. I don't know how to thank you two. Ouais, c'est bizarre. Ou alors une météo que j'ai pas. Ah, cette légèreté. Ah, je sais pas. Tiens, je vais sauvegarder avant de le patater parce qu'il va tellement me sortir par les trous de nez. Au moins que je fasse banque, d'une certaine manière. J'aurais plus de questions à me poser. Merci. J'ai pas le droit d'attaquer, c'est bizarre. Ah! Il a disparu. Ce clipping. Alors, malédiction dans sa tronche directement dans la tête, fragilité. Enfin, si j'arrive à lui mettre, j'ai pas l'impression. Bah alors, j'arrive à lui mettre des malus ou pas? Attends. Ah, oh, c'est vrai qu'il faut l'analyser, c'est une mouche. Tiens, les vendeuses, quand il y a moyen d'acheter un analyseur, faut que je le fasse. Lésion machin peut paralyser. Alors, on peut paralyser ses pattes en infligeant suffisamment de dégâts. Oui, bah oui. Il donne la soluce. Mais attends, est-ce qu'il est immunisé contre les sorts de malus? Il est vulnérable aux coups de jus. Il est résistant au feu par contre. Mais il n'aime pas être électrocuté, le stick. Non. Ouais. Mais non, mais je m'en fous de ça. Bah ça, il m'a déjà mis KO Noël. Ça y est, ça commence. Oh là 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 là. Debout, Noël. Resurrection. Ouais, allez, on va lui patater les pattes parce qu'il m'agace. Boum. Ah oui, Noël est mort. Effectivement. J'ai
un petit sourire en plus. Alors pardon, cette bataille là va complètement m'accaparer sur l'écran, je verrai plus le chat. Pardon, hein, c'est pas... J'aime pas vous mettre des vents, mais là j'ai besoin d'une concentration de toutes les dixièmes de seconde. Merci de votre compréhension. Surtout que je pars pessimiste, alors la motivation est pas top. Ah, la patte est en état de choc, je pense que c'était possible. Mais pourquoi pas. Allez, vas-y, déchaîne-toi, tu violence. Bon, il a une patte en main, visiblement, ça c'est fait, c'est bien. Oh, mais il est faible, Noël, il est déjà dans le mal. Oh là, vous pouvez arrêter. Aïe, 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 aïe. Allez, potion. Mais pourquoi il frappe la tête alors qu'il faut frapper la patte? C'est n'importe quoi. Café bobo in the morning. Je peux en mettre une deuxième potion. Changeons de stratégie. Ça y est, je casse la figure. Allez. Attends. On va lui mettre une malédiction dans le pif déjà. Allez, fragilité dans sa tronche. Voilà, très bien. Une fois qu'on a une fragilité dans sa tronche, on le biffe. On le biffe in the morning. Youhou. Violence. Oh, le pauvre Noël qui a un malus. Mais oui, non, mais c'est vrai que c'est moi le malus. C'est vrai que c'est moi. Un poison, allez, poison dans sa tronche. Oh, ça me fera les pattes, c'est qu'à me dire. Doucement dragon, attends, tu m'écris un truc alors que je peux pas lire. Je suis en pleine action de ma boule. Attends, bon, je pourrais pas venir Stardew Valley car j'ai pas de manette de jeu pour jouer. Ah merde. C'est moche. Je te l'accorde. Non mais. Eh, hey, il se prend quasiment pas de dégâts, c'est une mauvaise blague. Il se prend quasiment pas de dégâts. Attends, potion pour le pauvre Noël, parce que là il est dans le mal. Oh, allez, vas-y. Tu peux le bêter, vas-y, fais-toi plaisir. Oh là, oh le déchaînement de violence. J'ai même plus accès à l'interface tellement qu'il y a de coups qui partent. C'est bien, c'est à mon avantage. Oula, on va se calmer. Ah oui, là je lui accorde le droit de se remettre debout parce que c'était très très violent là ce qui s'est produit. Ouf. Ah merde. Oui, si la potion était. Enfin, j'aurais dû faire la résurrection d'abord de Noël. Voilà. Noël revient parmi nous. Alors auto-attaque dans. Ah, il a encore un état de choc au niveau de la tronche. Ça, c'est rigolo. Je pouvais encore en abuser un tout petit peu. Alors, on retourne dans les pattes. Oh, il m'a remis KO Noël, vilain bestiau. Ouh. Mais il a un droit de réponse. Oh, je finirai bien par l'avoir un jour. Potion. Allez, un remontant pour tout le monde. Deuxième service, tiens. Parce que... Oh non, il m'a stone. Vite, objet. J'ai le droit de consommer des objets.
Mais le jeu là, alors là, le jeu vient de me faire un doigt d'honneur. Le jeu vient de me faire un doigt d'honneur très net. Il m'a refusé la validation de la queue, pas de la queue de Phoenix, de la potion. Quand j'ai demandé à restaurer l'énergie avant qu'il meure, Noël. Non, non, là il l'a vraiment fait à l'envers. Sorry. Non, il a dit disparaissez. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Eh, c'est de l'anti-jeu là. Ouais, je vais recommencer là où j'avais sauvegardé. Ah, j'étais bien parti pour le biffer. J'avais la moitié de sa tronche là. Je peux vraiment pas consommer de bonus avant de lui entrer dans le lard à celui-là. Attends, je vais peut-être changer mon équipement pour le faire suer. Je vais changer mon équipement pour le faire suer. Déjà, attends. Oh, je peux faire beaucoup plus mal en... Attends. Je vais faire des gros dégâts. Emblème de martyr, je retire. Je vais faire une autre combinaison. Mmh. Annule tous les dégâts d'air subi, mais anti-ajouge ATB. Oui, c'est ce que j'utilisais tout à l'heure. Annule tous les dégâts. Ouais, bon. Les actions des ennemis. Eh, pas mal ça. L'œil de lynx. On va voir si l'œil de lynx est bon. Puissance physique de 15. Eh, ça peut être pas mal ça. C'est pas pour me déplaire comme combinaison pour lui. T'as oublié de te mettre en défense. Oui, je reconnais que je néglige la parade. Oui, je suis d'accord. C'est à jouer. Je suis entièrement d'accord avec toi, Dragon. Mais lui, quand je l'aurais fumé, c'est limite si je ne jouais pas sabré le champagne. Il me sort par les trous de nez. Ah, j'ai quelques points à dépenser, vu le bordel que j'ai semé. cette dernière heure de jeu. J'ai gagné quelques points à récompense dans le foutoir. Hmm. Allez, autour de Noël. Eh ben c'est cool. Petit à petit, je développe à fond les personnages. On va re-sauvegarder. Et on va y retourner. Quoi? Oh l'autre! Oh la bonne blague! Je le vis comme une farce à ce niveau de jeu. Je le vis plutôt bien. J'ai envie de dire heureusement pour le jeu. Ce jeu farceur. À l'attaque. Alors elle se met en mode attaque, mais elle prend pas l'arme en fait, ce qui est débile, ce qui m'empêche d'avoir le bonus assaillant. C'est vraiment truqué, hein, vraiment. C'est truqué à bon, c'est nul. Alors attends, est-ce que j'essaie de lui mettre un malus dans la tronche? Non, j'y arrive pas.
Oh, il est chiant avec son ultimate Mido. Sorry everyone. Effectivement, de l'intérêt de parer l'attaque. La bonne blague. Voici la stratégie adoptée contre âme de louve. Je sais même pas si j'ai âme de louve. Omega, chocobo, chocobo. Stratégie attaque, attaque. Non, vous êtes sérieux? Bah. Merci hein, de me donner la recette de la victoire, Dragon, mais non, mais c'est abusé. Oh, c'est abusé. Du coup, je sais plus. Je sais plus. Oui, j'ai mon. Oui, non, ouais. C'est abusé. C'est ça. Oui, c'est un peu ça, une scène. Ouais, ouais. C'est un peu ça. La bonne blague. Analyseur. Pourquoi les ions? Je peux pas lui faire poison, par exemple? Attends, compétence. Poison dans la tronche. Moi, je veux lui mettre poison dans la tronche. Ah non, il a pas le malus. Oh, ça prend pas. Non, pas objet. Oh, il est chiant avec son ultima. Oui, j'ai pas le temps de me mettre en défense. Oh merde, ça commence mal. Oui, c'est là. Chef de leader. Attends. Fragilité, par exemple, faut pas lui mettre ça dans la tronche. Ça serait bien. Ça a pas l'air de marcher. Le jeu me refuse à ce que je lui mette des malus dans la tronche. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Bon là je suis déjà mal engagé dans mon combat. J'ai déjà bouffé des potions pour rien. Oui, c'est pas bon le chocor et Midoum. Got to turn around. Ouais, l'argent est violet. Ouais. Bah écoute, je vais vous copier-coller ta soluce pour la prochaine fois. Là, je fais mon entêté avec ma méthode à moi. Mais je trouve que à ce niveau-là, le jeu est vraiment dégueulasse. Vraiment. Une potion. Le jeu est dégueulasse. Bon, ça y est, il a plus de pattes. Cette attaque. Attaque honteuse. Attaque honteuse refusée. Ah, il a pas mal de malus aux pattes là. Ça, c'est pas mal. Attends, je vais changer de strat.
Ah, ça y est, il est tombé. Il est tombé, le vilain, il est tombé. Je lui fous des malus dans la gueule. Malus dans la gueule, malus dans la gueule. C'est bien, la fragilité, non. Il est fragile, il est plus docile. On va le patater. Poison, 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 poison. Ouh, on touch shot. Il n'aime pas la fulgure, ouais. Je sais que l'électricité, il n'aime pas du tout. Donc autant le saucer. On est vulnérable. Allez, go, go, go. Il y a beaucoup de manus là, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On continue, on continue, on continue. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, soin. Alors la suite, destruction sur je sais pas quelle patte, au choix. Allez. Oh, il a dit stop les attaques, il en a marre. Le jeu qui rend fou. Si j'aurais ma boîte ancienne antenne aussi, je sais pas ce qu'il faut. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bien savoir. Ah, je vais faire Ultima, merde. Protection! Ah merde, j'ai merdé la protection. Plus que de Phoenix Noël. Objet potion. Objet potion. Voilà, alors, destruction de Poupout. Oui, bien sûr, une pâte au choix, vas-y. Merci, Dragon de Lorraine. Je regarderai dans la semaine, hein, pas maintenant, mais merci. Je devine la contenance du truc. Oui, non, je le provoque, c'est pas ça que je vais faire. Objet santé. Ouais, bah, je peux commencer à mon avis. Voilà, potion. Pas d'attache de carte. T'es sûr qu'il lui attaque la patte? Ah non, il lui attaque pas la patte, il lui attaque la gueule. Oh. Hop, attention l'ultima. Voilà, j'ai réussi à parer. Objet. Tiens, je vais même faire que de phoenix pour le lange. Carrément. Objet, potion. Voilà, comme ça tout le monde est rétabli. On continue. Oh ce jeu. Je me remets en défense. Oui, très bien. Hop, potion pour... Très bien. Potion pour tout le monde. Je lui refous une malédiction dans la patte. On continue de patater la patte.
Là, je vais le faire suer, il fait le coup de glissement, mais moi je pars avec le... Hop, ça me laisse le temps de faire de la potion. Je vais préparer un sort sur une des pattes. Bah tiens, je peux faire le quack en attendant. C'est bien, le Pokémon est prêt, on y va. Au moins c'est ça de fait. Mon Pokémon n'était pas sous le joug du 1, 2, 3 soleil. Ah mais... Il est chiant. Protection. Allez, patate-le. Alors attends, potion. Ah merde, Noël est mort. Attends. Noël est mort, j'avais pas vu. Pardon. On va le soigner. Voilà. Je vais refaire potion. Voilà. Alors, destruction. La malédiction sur la patte. On continue. La suite. Allez, go. Mais qu'est-ce qu'il est chiant, cet animal. Il est chiant. Oh, ça y est, il fait son rugissement à 2-3 soleils. Qu'est-ce que je fais au niveau des objets? J'ai... Ouais, que de phoenix, j'en ai plein. Je vais ressusciter mon chocobo. Eh oh, ça va, tranquille. L'autre, il enchaîne les attaques alors que je peux plus rien faire. Il est malhonnête, ce bestiau. Il est malhonnête. Alors, destruction de pattes. Non, j'en ai rien à péter, ça. Voilà. Voilà. Potion, bordel. Ouais, je peux encore en faire un petit coup. Allez, rapide. Potion sur la patte. Vas-y, régissement de merde. Alors, t'as me fait une super potion parce que là j'ai plus de. Il m'a grignoté la vie max. Oh, super potion. Voilà. Voilà. Et là derrière, je peux faire une potion normale. Nickel. Je ressuscite mon chocobo histoire juste de faire suer le bestiau. Parce que c'est drôle. Je remets un sort sur la patte quand je pourrais reprendre la main. Non, tu m'as mis de. Oh, mais casse-couille. Pardon, je deviens grossier, mais il le mérite. Oh là 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 là. Donc, je disais. Ça. Et je brise les pattes, là, le plastique de mes deux. Qu'est-ce qu'il fait? Allez, brunage. Objet santé. Oui, l'ultima est fatal, je sais. L'ultima de mes deux, là. Hop. Je vais te le calmer, moi je te le dis. Non, c'est pas la bonne patte, bordel. Bon, là il fait un 2-3 soleil. Bon, j'ai le temps de ressusciter le stick. On recommence depuis le début. Il faudrait que je me mette un sort de fragilité dans les pattes. Bonjour aux arrivants, bonjour Chris Golgot, j'espère que tu vas bien, bonne app. Merci d'être là, pardon, je suis concentré dans une grande bataille qui requiert toute mon attention, donc je vous lis que partiellement.
sans offense, mais vous le savez, je vous souhaite le meilleur. Merci à vous d'être là. Attaque la gueule à nouveau alors que je lui ai dit non. Oui, bah tu peux faire 1, 2, 3 soleils, mais je finirais bien par te bouffer, mon gars. Je finirais bien par te bouffer. Non. Oui. Attends, j'ai même le temps, je crois, de. Ah non, mais il se régénère pas de lui-même, donc c'est pas possible. Ultima, ah bon, là, redéfense. On recommence. Oui. Là, je repasse en défense. Donc, j'ai un peu de phoenix pour l'ange. Je peux refaire un. Non! Nope! Potion. Je te fais le bois du guac. Ah, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tu vas bien, Chris Gogot. Enfin, si tu te mets une à moi, c'est que non, c'est que du positif. Là, j'essaye de casser l'ennemi dans sa dynamique papillon. Peu importe le truc. Voilà. Alors, destruction, on le biffe. Fragilité, fragilité. Et on bourrine, on bourrine, on bourrine, on bourrine, on bourrine, on bourrine. Est-ce qu'il a. Oui, il a pris le malus de fragilité, je vais peut-être l'avoir. Espoir, allez, tout le monde s'y met. Invitation gratuite à venir patater le mastodonte de mes deux qui me les brise depuis plusieurs week-ends. C'est offert par la maison, faites-vous plaisir. Gagnez un trophée, une défense de gueule de mastodonte de mes deux. Peut-être ces roubignoles en collier pour le grand vainqueur. Ce serait mérité parce qu'il me les brise vraiment. Allez, mais il va mourir lui. Oh là 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 là. Allez, malédiction, cumule, merdoum. Oui, poison, la totale, compétence. Je lui fais quoi? Je lui fais la lésion de la mort. Allez, hop, m'enchoigne une lésion de dans la gueule. Allez, 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 ton s'y met. Vite, 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 je veux plus en entendre parler. Merci. Ah, 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 rah, ah. En signe de protestation, je porte ma coiffe à l'envers, nouée. Parce qu'il l'a dans le. Et encore, je pourrais faire un geste plus grossier. Merci. Ah. Ah. Ah, c'est salvateur. Ah. Ah. Cochonnerie de saleté. Ah. Ah, c'est de l'anti-jeu. Ouais. Fragment de pleuro prout-prout. Ah, je me sens mieux. Je vous disais que ce dimanche matin était salutaire pour le Final Fantasy. Alors, ça cachait quoi? Nyeh. Non, j'avais un soupçon de portail secret. Bon, il y a un truc au-dessus derrière, là, qui bouge. On le voit plus, mais il y a un truc au-dessus. Attendez, Mog va aller me le chercher. Enfin, je crois. Ah, 8 éclats de force. Merci, Mog. Il n'y a rien d'autre derrière, là. Autant faire gauche-droite. Ah, ça me fait plaisir de... Vous voyez? Ah, oui, bonjour, Torota. Je sais plus si t'étais là. Avec plaisir.
Merci, monsieur le président. Ah, merci, c'est gentil, Pop and Ripop. Merci du soutien, c'est adorable. Ah, je... Ah, ça me... Ah, je me sens mieux. Et puis, il y a un effet double, tu sais, Dragon. Merci à toi d'avoir pris le temps de m'envoyer des indices, des infos. Mais de l'avoir biffé à ma sauce, à ma condition, ma manière, c'est... C'est deux fois plus délicieux, tu vois. J'aurais presque dit, j'aurais eu moins de mérite si j'avais suivi ta recette pour le pataté. Comme quoi... Ah, ça a fait mon week-end. Vraiment. Fichtre, oui, merci pour ta générosité. Tiens, je vois un coup. Les gains des abonnements, entre autres, vont dans la cagnotte de la chaîne qui permettront d'acheter des jeux, de faire des projets en commun. Je vous tiendrai au courant régulièrement, mais un gros merci à toi. Oui, merci et bisous. Merci et bisous. Merci et bisous. Merci. Alors tu dis je suis bon pour les Dark Souls en rigolant, mais honnêtement, pardon, je ne ferai jamais les Dark Souls. J'y crois très faible. Comme on dit, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau et quelque chose à pas dire de ma propre expérience, mais autant vous dire honnêtement que la probabilité est très faible que je me lance dans des Dark Souls. Vous voyez, ma motivation est telle que j'ai envie de vous dire, on verra quand j'aurai 60 piges au moins, vous voyez, hein, revenez dans 20 ans. Mais Alors du coup la carte je l'ai pas à 100% évidemment. Bah oui. Tiens d'ailleurs, attendez. Mon premier réflexe aurait dû être celui-là. Pardon, sauvegarder. Qu'est-ce qu'il y a, une scène? Attention à ne pas confondre biffer et blifler. Ah, alors biffer je connais, mais alors blifler, enfin oui, biffler, je connais pas. Vraiment, honnêtement, je connais pas. Ça a l'air coquin, visiblement, comme terme. Alors, je suis heureux du mastodonte fumé. Je vais me le déguster en toast, désormais. Qui lui explique? Oh, tu sais, par curiosité intellectuelle sur Internet, j'irai chercher dans la semaine le terme... Mais t'en fais... Hey, vous savez quoi? Est-ce que quelqu'un peut s'amuser à poser la question à Wisebot? N'oubliez pas que nous avons la charmante intelligence artificielle qui répond à toutes les questions. Bah attendez, je vais me prendre de la question à Wisebot. Que signifie... Alors comment tu l'as écrit? Biffler. Attends. Biffler. Comme ça. Allez, plus ça, je vais voir en off. On va voir ce que répond Wisebot. Ah bon? Siffler avec une touche de style. Message de Torota 77. C'est ce que j'avais fait la comparaison une fois. Biffler est une action de gifler une personne avec ses parties. Ah, d'accord. Ok. Oh, ce mépris ultime. Wouah. Ok, d'accord. Bah, j'étais pas loin tout à l'heure en disant porter en pendentif les roubignoles du... Hein, du mastodonte. J'ai envie de dire que... Hein, bon bah... J'ai envie de dire beaucoup de choses, mais c'est indécent. Oh, le bonheur de l'avoir schquick. Oh. Oui, c'est poétique, oui. On va dire ça. Cette foutue carte qui me résiste. Pourquoi? Je veux aller là-bas, mais j'y arrive pas. Qui c'est que quoi? C'est quoi l'ennemi? C'est une chocobo. Viens par ici que je vole dans les plumes, chocobo de mes deux. Mais gros vilain. C'est le chocobo rouge. C'est le chocobo sanguine.
Alors, mon direct n'est pas sponsorisé par KFC. Il manque plus qu'un bassin d'huile frémissant. Enfin, frémissante. Et là. Y'a la hache. Nyeh. Hop là, transformé en nuggets. Il n'y a plus de chocobo. Il n'y a plus de chocobo. Oh. Ça me bouffe d'avoir la carte à 99%. Comment qu'on fait pour aller dans le dernier pourcent qui m'échappe? Comment on a... Tiens, pardon, je me permets de te poser la question, Dragon. Si t'as le temps de me répondre, s'il te plaît, comment je fais pour avoir la carte à 100% des steps? Parce que visiblement, ce qui me manque, c'est la Mesa que j'essaye d'atteindre. Mais j'arrive pas à atterrir par-dessus. Y a un truc qui m'échappe. Il me refuse l'exploration de la carte à 100%. Je suis à 99%. Et visiblement, c'est le morceau qui me manque. Si tu pouvais me guider, s'il te plaît, Dragon. Ça me... Je réglerais quasiment tous mes soucis de Dragon Sky, j'allais dire. N'importe quoi. Ça réglerait tous mes soucis de Final Fantasy ce week-end. Là, tu me poses une sacrée colle. Parce que regarde. Il me dit terrain exploré 99%. Mais quand on bouge la carte, on voit l'arrière-plan. On voit que c'est percé là. L'arrière-plan, ça devient grisâtre ou noir. En fonction de la position de l'image. Donc ça veut dire que c'est pas exploitable, explorable. Enfin plutôt explorable. Parce que je vais pas vraiment exploiter un filon sur place moi. C'est pas Minecraft. Et on voit que la partie qui reste inerte, qui reste inchangée, c'est celle-là. C'est donc l'espèce de Mesa. Mais comment je fais pour projeter mon héros, mon personnage principal, dessus? Qui me rajoute mon dernier pourcent d'exploration manquant. S'il vous plaît. C'est encore un truc qui me rend fou, ça. Ah, je veux y aller, mais j'y arrive pas. Comment je pourrais faire pour me propulser, me projeter? Là encore, le mastodonte que j'ai battu, il aurait été domptable. J'aurais invoqué pour aller sur son dos, mais je peux pas. Ah! Mais c'est bien sûr! Il faut que je fasse à d'autres chocobos! Il faut que j'aille chercher un chocobo dans le parc! Que je vienne jusqu'ici, que je fasse un saut en chocobo. Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? C'est bon, j'ai trouvé ma soluce. Merci à vous d'avoir participé. Mais je l'ai, le privilège, il est là. Regarde. Elle est légère comme une plume, mon cher dragon. C'est magnifique ce qu'elle fait. Mais non, non, c'est à d'autres... Qui c'est qui m'interdit à retourner dans le camp? Bande de vilains. Oui, Kinder aussi, oui, Kinder et KFC, ouais. Mais oui, il faut que j'aille à d'autres chocobos. Faut que j'aille chercher des chocobos parqués aux côtés des chasseurs. Dans leur camp. Tu penses bien que le saut va pas être le même à d'autres chocobos? Voilà la soluce. Mais oui, maintenant que je réfléchis, que je fais le raisonnement, ça me paraît limpide. Allons-y, enfin logique. C'est le dimanche de tous les possibles. Oui. Non, la mousse, c'était hier, Kinsen. Elle était bonne, d'ailleurs. C'était mon week-end. Mon plaisir du week-end, la mousse, c'est... Non, merde, ça, c'est la machine temporelle. Enfin, temporelle. La machine météo. Chocobo, s'il vous plaît. Je vous emprunte un chocobo. Elle a quelque chose à me dire, la madame. Quoi? Ouais. Oh, tu une scène. Ça va pas, non. Une mousse au petit-déj. Non mais... Pourquoi pas de la chartreuse pendant que tu es au pied du lit? Non mais n'importe quoi. Bon, allez-y. Chocobo. Chocobo. Ah non, je vais faire entrer dans son parc. Non, c'est le jour de sortie, là. Tiens, d'ailleurs, on va tester... Est-ce que je peux monter avec le chocobo sur le pupitre? Ouais. On va essayer un grand saut gracieux vol de chocobo. Allez, vol! Oh, c'est beau! Ça marche.
Ta-ta-ta-ta. Merde, il va déjà être 13h. Oh, t'en passes trop vite. Boing, 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 boing. Bon, bah, avec un peu de chance, on va terminer avec les cartes à 100%. Au revoir, l'exploratrice, et puis. Enfin, la cartographe, et puis voilà. J'aurais bouclé un merveilleux épisode de. J'allais dire de Chocobo. De Final Fantasy. 1, 2, 3, pas seul. Merde! Il a pas pris son impulsion, abruti. Recommence. Shot. Bah, il se moque de moi. Il se moque de moi. Le piaf se moque de moi. Mais tu vas sauter, lui. Ah, merci. Et voilà, c'était ça la soluce. Eh oui, tu m'étonnes. Voilà, là on peut le dire, j'ai tout exploré. On est d'accord? Tadam! Comme quoi mon esprit d'analyse était le bon. Stardew Valley, tu peux le jouer à la manette comme au clavier. Mais moi perso, même sur PC, je le joue à la manette, Stardew Valley. Ouais, ouais. Tu branches une manette et ça marche trop bien. Tant mieux, parce que ce genre de jeu se prête souvent mal au gameplay à la manette. Les deux sont possibles. Moi, je suis pro manette pour Stardew Valley, mais chacun fait ce qui lui plaît. Ah, ce foutu portail. Un jour, je vais déverrouiller ce portail de mes deux. Je vous le dis, moi. Il faut saluer le... Oui, je vais pas tarder à manger, une scène. Il faut saluer le... L'excellent boulot des développeurs de Stardew Valley qui ont laissé champ libre, en fait, aux joueurs. Mais je suis déjà droit, une scène. Pardon, je sais que je gigote beaucoup parce que je suis excité comme un. Hein. Mais déconne pas non plus. Ah, chic, encore un chocobo à patate. Hein. Encore un sanguine. Ça veut dire qu'ils ont bien géré la manette, c'est qui est cool. Non, mais ils ont très bien géré beaucoup de choses dans Stardew Valley. Non, non, vraiment, c'est très très bien ce qu'ils ont fait. Le joueur est libre de prendre ses aises et de programmer l'interface de contrôle qui lui plaît. C'est vraiment remarquable, vraiment. On ne peut que les gratifier de 1000 compliments et de saluer leur talent. Et même envie de dire, certains devraient en prendre de la graine. Ah, ah oui. Oh, magnifique, il lui a donné le coup de grâce. Oh, la classe. Bravo, mon chocobo d'or. Et j'ai gagné des plumes de chocobo. Tu m'étonnes que je les plumais. Je voulais faire quoi dans toute cette euphorie, je ne sais plus. Oui, donc le portail machin. Oui, alors il faut que j'aille revoir la cartographe en ville. Oh, quelqu'un me fait relais de chaîne. Oh, petit Seb, c'est gentil. Bonjour, merci. J'espère que ton direct s'est bien passé. Bon app. Je devine que tu vas filer à table. Bah oui, tu dis bon app à tous. Merci, petit Seb. Petit Seb, l'homme qui fait 6... tu m'as dit quoi? 6 coopérations en semaine. Toi qui as un jour en équipe. Bravo, petit Seb. Merci, bon app à toi aussi, merci pour le relais de chaîne. Donc avec un peu de chance, je vais avoir mon alerte au moment du chargement de la dimension. Dans le couloir du temps. Ah, à moins que des trous nouillots qui m'en empêchent. Ah bah, il y a une tomate ketchup. Bon, ça va être vite fait. Ça va être vite fait. C'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. La cartographe. La cartographe. Alors, non, c'est pas du tout là. C'est là-bas. Oui, bah c'est ça, je crois. Oui, c'est ça. Pour la cartographe, message elle va être. Message de Torota 77.
Et c'est un relais de chaîne, merci. J'espère que mon contenu et mes propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Alors, merci de m'avoir offert une annonce modifiée, Torota. Une variante, bien vue. Tu me fais penser, je fais plein de trucs, vous me connaissez, je ne les termine jamais. C'est mon terrible dilemme de vie. L'annonce de relais de chaîne façon Minecraft, dont tu avais commencé à faire le... Il faut que je termine, mon pauvre Torota. Ça finira bien par arriver un jour, comme beaucoup de choses. C'est vrai, il faudrait que j'essaie de m'y atteler dans les 15 jours, là, comme j'ai quasiment pas diffusé. J'aurai sûrement l'occasion de... L'occasion de d'offrir un peu de nouveauté sur mon antenne. Pourquoi elle a parlé de Grand Pulse? Mais non, c'est les steps. I sure hope we can restore all our topographical data. Il lui manque quoi? Elle a pas toutes les cartes? Objet clé de l'inventaire. Ouais. Attends, elle a tout normalement, non? Mince. Attendez. Bah, j'ai tous les plans, non? 100%. 100%. 100%. 100%. Bah, les steps, je viens de le faire, donc c'est 100%. 100%. Bah, je comprends pas. 100%. Néobodom. 100%. Les monts Yasha, 100%. Côte de Sunlet, 100%. Le Colisée, 100%. Academia, 100%. Les pics infâmes, 100%. Et le Néo Prout Prout, 100%. Bah alors, pourquoi je devrais avoir mes récompenses là? Je lui ai donné toutes les cartes. Rapporter les cartes complétées. Il y a un monde que je connais pas du tout. C'est quoi le délire? The machine malfunctions are probably linked to this network problem. Tiens, bizarre. Lui, il dit toujours la même chose. Lui, le proto-falci, il faudra que je bute ce proto-falci de Nido. Je sais pas comment on fait, mais il faut vraiment que je zigouille. Il y a peut-être des choses intéressantes à me demander. Que de mystère. Oui, attends, je vais racheter pas mal de matos là parce que le mastodonte de mes deux m'a coûté cher. Oui, je veux 99 de tout. Allez, vas-y. Ouais. Super potion, ouais, tu m'en rachètes une. Voilà. Là, je suis confiant, là. Quand j'ai tout à 99. Je me sens à mon aise. Ah, bah merde alors, la cartographe a pas toutes les cartes. Attends, je retourne une dernière fois dans le portail pour vérifier des infos de... Et je pose déjeuner parce que je commence à avoir faim. Il faut pas que je me décale non plus. Mais ce jeu m'aura rendu fou plus d'une fois. Oh merde, il y a des ennemis en bas de l'escalator. Mais allez mourir. Oh là 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 là. Et bah voilà, ils sont morts.
Dégueulasse! Maman est là. Oh mon dieu. Oh mon dieu! Mais arrêtez de gémir, mademoiselle. Oh, c'est horrible! Elle s'est transformée au moment où je franchissais le portail. Quelle horreur! Ah oui, 11 de 13. Ah, fragment 11 de 13. Ça veut dire qu'il me manque deux cartes. Non! Il y a deux mondes que je connais pas du tout. C'est des trucs là que j'ai pas déverrouillé. Je sais pas comment j'ai déverrouillé. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Petite question rapide. Enfin, je veux pas te déranger, dragon, si tu manges. Mais je me demande si ça, c'est pas des fins alternatives que j'ai pas déverrouillées. Je m'interroge. Parce que là, j'ai presque tout torché. Faut arrêter. J'ai presque tout torché. Des médaillons comme ça, ça doit être un... C'est bizarre. Abîme du temps, là, j'y suis jamais allé. Oui, c'est une fin alternative. Ah, merci, Dragon Sky. Donc. Je pense que la prochaine fois que je joue à... Lui aussi, c'est pas clair. La prochaine fois que je joue potentiellement à... Je ferai peut-être la fin... La première fin. Et je vais faire des fins paradoxales pour être sûr de tout décongestionner. Parce que j'ai compris qu'il y avait un privilège de DS. Je pouvais rejouer ce que je voulais une fois que j'avais fini le jeu. Ce qui fait que c'est bien, ça arrange le titre et je vais pas m'en priver. Ça me plaît bien. D'accord, ok. Bon bah voilà, c'était Final Fantasy. C'était cool. Merci à vous de m'avoir suivi là et encouragé aujourd'hui. C'était fructifiant. Hein. Je suis content. Le mastodonte. De l'avoir fumé. Il a fait mon week-end lui. Le joyeux loustique. Alors la question de la pause déjeuner. Est-ce que vous voulez que je fasse un relais de chaîne, des clips à gogo, je sais pas quoi. Oui, encore merci pour les GG. Merci. Attendez voir que je vous fasse le sondage rapide. Alors, sondage éclair de 2 minutes chrono.